the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this Caballero? The Emperor of the Far West, when he begins his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il a pas peur de personne. Lucky Luke, j'aurai ta peau. J'aurai ta peau. Bob le dingue. Ça tombe bien, on vient de repeindre la cellule. Je te fais rater la première épreuve du rodéo, Bernie. Désolé. Aucune importance, Luke. La première épreuve, c'est le discours du maire. Et je m'en passerai. Ta peau, Lucky Luke, t'entends? J'aurai ta peau. Si nous allions voir ce fameux rodéo, mon vieux Jolly Jumper. Il devrait exister des rodéos où les chevaux montraient des cowboys sauvages. Je me demande pourquoi ils m'emmènent dans un meeting politique. Le vainqueur remportera cette magnifique coupe en métal doré qui lui sera remise par la tout aussi magnifique Miss Nothing Gash. Ainsi que comme chaque année, un bon d'achat de 4,50$ au magasin de pompes funèbres de Barnabé Nail Coffin. Un grand merci pour notre généreux concitoyen. Et alors, gamin, tu participes pas au rodéo? Jolly Jumper est d'un naturel jaloux. Il ne supporte pas que je monte un autre cheval que lui. Je me demande ce que cet animal a bien pu faire pour être en prison. Ben non, laissez-moi, je suis innocent. Monsieur, un moment. Monsieur, j'irai droit au but. Un rodéo rapporte dans les combien? Bien, monsieur. Si nous parlions business... Non d'un canasson cagneux, ce genre de choses, ça n'arrive qu'une fois dans la vie. Merci et au revoir. Monsieur, je n'irai pas par quatre chemins. Le rodéo, ça paye bien. Et voici le premier concurrent, notre ami Joshua Pemberton. Vive Joshua! Joshua déclare forfait à cause d'une crampe au mollet. Passons donc au concurrent suivant. Alosius Gridlock. Bien, nous devons déplorer le désistement d'Alosius. Lui aussi victime d'une crampe au mollet. Troisième concurrent donc, Big Joe Miller. Mais enfin, c'est une épidémie. Big Joe Miller a lui aussi le crampe au mollet. C'est donc au tour de Nathaniel O'Leary. Pete, non, la tribune n'est pas prévue pour... Les crampes, je savais pas que c'était contagieux, gamin. Moi non plus, Oldtimer. Moi non plus. Oh. Que le meilleur gagne, Todor. Que le meilleur gagne, Bogdan. Aïe, 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 aïe. Bon, il reste tout de même deux concurrents. Lisse, Todor, Vacha, Volo, machin, là. Venu de Poldavie. C'est où, ça, la Poldavie? Sûrement au Canada, monsieur le maire. Le grand rodéo de Nothing Gulch continue avec un concurrent qui nous vient directement du Canada.
prisonnier s'est évadé. Hé hey. Au nom de la loi, je vous somme de retourner dans votre cellule. Temps 3 secondes et demie. Allons, soyez bons joueurs. Rendez-vous. On peut bien se liguer pour m'empêcher de défendre l'ordre et la société. Je sais où est mon devoir. Second concurrent, Bogdan Vaché Volo, machin, qui nous vient lui aussi du Canada. Ces Canadiens, non seulement ils se ressemblent tous, mais ils portent le même nom. Toi aussi, cow-boy? Décidément, la fréquentation des politiques corrompt même les plus honnêtes. Très belle prestation de notre ami canadien qui... ne fait pas mieux que son compatriote. Ils ont fait exactement le même temps. J'ai gagné, Bogdan. J'ai gagné, Todor. Todor et Bogdan Vachavolo truc remportent le grand rodéo de Nossing Gulch. Monsieur le maire, il faut faire quelque chose. Ils vont tout casser. Vous avez raison. En attendant la remise de la coupe, la municipalité vous offre une boisson. Gazeuse, Joseph, gazeuse. Gazeuse. Mon chapeau! Oh, bah excuse-moi, j'avais pas vu la petite tête moche en dessous. La politique, ça se termine toujours par des bagarres. Pour un beau rodéo, pour sûr, c'était un beau rodéo. Une saucisse grillée en plan. Il cherche à me corrompre. Oh, il connaît pas ma force de caractère. C'est moi qui garde la coupe. Non, c'est moi. Curieux zigoto, ces deux-là. Jamais je ne vendrai mon âme, même pour une saucisse. Que le chien qui n'a jamais craqué me morde le premier. Que se passera-t-il si nous n'arrivons point à nous départager, Todor? Je suppose que nous devrons nous battre en duel, Bogdan. Nous souhaitons consulter la liste des hors-la-loi de la région. Des hors-la-loi? Mais il n'y a plus un seul hors-la-loi dans la région. Une région de l'Ouest sans le moindre bandit? C'est difficilement concevable. Tous les bandits que Lucky Luke n'a pas envoyés au pénitencier, nous les avons élus au Congrès. Pour le congrès, je plaisante. Lucky Luke, ah, Lucky Luke, ah. La dernière crapule qui traînait ses bottes dans la région, c'est Bob le Dingue. Luc l'a arrêté ce matin. Ta peau. À ton avis, Todor, combien gagne un fonctionnaire de police en Amérique? Pas beaucoup plus qu'en Paul Davy, je suppose. Lucky Luke, ah, j'aurais ta... La ferme. Que le meilleur gagne, Todor. Que le meilleur gagne, Bogdan. C'est moi qui la garde, Todor. Il n'en est pas question, Bogdan. Oui, un peu plus bas. Là, oui. Parfait. J'ai le poids de ma conscience sur l'estomac. Lucky Luke, je suis un misérable. Je ne mérite pas ta confiance ni ton amitié. Allons, Bernie. Tu as encore forcé sur la fondue au Chester? Oh, c'est la première fois que je vois un humain faire le beau pour avoir un sucre. Je suis un chien galeux. Ah, oh, je me disais aussi. On m'a payé pour que je libère Bob le Dingue. Maintenant, il te cherche partout pour te faire la peau. Qui t'a payé, Bernie? Les deux étrangers qui se ressemblent comme des presse-livres. Hop. Je parie qu'il va encore mettre les bottes dans une histoire de fou, et moi, je vais pouvoir me brosser.
J'étais là avant toi. Il est à moi. Non, à moi. C'est toujours toi qui as tout. Tout? Ah, parce que mère n'a pas une préférence pour toi, peut-être. Eh, hey, oh là, si je vous gêne, vous me le dites. Oh. Une explication s'impose, non? Ah, Lucky Luke, j'aurai ta peau. À la ferme! Il commence à nous les briser, celui-là. J'aurai ta peau, Lucky Luke. Ah. La ferme! Messieurs, j'attends vos explications. Permettez-moi de me présenter. Bogdan Vacholovodjolovitch, prince héritier de Poldavi. Et voici mon frère, Todor. Prince héritier aussi. Notre oncle, le roi Petko III, est âgé et malade. À sa mort, l'un de nous deux doit lui succéder. Pour nous départager, il a eu l'idée d'une série de trois épreuves se déroulant dans l'Ouest. Il a toujours adoré les histoires de cow-boys et d'indiens. Je suppose que la première épreuve consistait à gagner un rodéo. Quels sont les deux autres? Capturer un hors-la-loi. Et ramener le scalp d'un peau rouge. Nous sommes en paix avec les Indiens. Pas question de vous laisser scalper qui que ce soit. Par contre, pour la seconde épreuve, il y a peut-être une solution. Laquelle? La corruption de fonctionnaires est répréhensible en Amérique. Vous êtes donc tous deux des hors-la-loi. Haut les mains! Lucky Luke, tu es là? Les presses livrent! Ils ont quitté la ville ce matin, à quelques minutes d'intervalle. Et ils ont pris la direction du camp d'Aigle Intègre. Hein? C'est dingue! Ce type s'habille plus vite que son ombre. Non, rentre-en-plan, toi, tu restes ici. Je serais bien resté, mais comment refuser une telle invitation? C'est pas ça non plus. Vrai faucon en rage et il n'arrive pas à se rappeler cette fichue danse de la pluie. Peut-être... Todor, cesse de me copier tout le temps. Comment? Mais c'est toi qui me copies. Ce pot rouge est à moi, Bogdan. Non, à moi. C'est moi qui l'ai assommé le premier. Tu n'es qu'un sale plagiaire. Et toi, un facsimilé. Ça y est! Johnny Jumper, tu as bougé. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Ah! Vrai faucon, notre sorcier pourrait frapper avant d'entrer. Qu'Aigle Intègre, notre chef me pardonne, mais... ça y est, ça y est. Mon frère devrait modérer sa consommation de cactus. Vrai faucon se souvient. Ça y est. Ouya papa, ouya papa, ouya papa, ouya papa, omba, omba. La prochaine fois que Vrai Faucon se souvient de la danse de la pluie dans le tipi d'Aigle Intègre, qu'il sorte! Allons bon, je me suis perdu. Oh, j'aurais jamais dû m'éloigner du camp. Je suis persuadé que nous pouvons trouver un moyen d'entente. Combien ça gagne, un héros dans votre genre?
Il est impayable. Il me faut ce scalp, je l'aurai. Tu me l'ôtes de la bouche, Todor. Ah, je les ai retrouvés. Heureusement que j'ai un de ces flairs. Allez, en route. Oh. Aigle intègre salue son frère au cœur pur et à la mèche rigolote. Moi aussi je te salue, grand chef. Je vois que Vrai Faucon a retrouvé la mémoire. Aigle intègre est venu remercier les amis de son frère. Si Vrai Faucon s'est enfin souvenu de la danse de la pluie, c'est grâce à eux. Qu'ils demandent ce qu'ils veulent à Aigle intègre. Ce qu'on veut, un scalp de peau rouge. Un scalp de peau rouge. Entendu. Aigle intègre n'a qu'une parole. Pourquoi chaque fois qu'on fait du camping, il pleut? Que Castor Pelé entre. Auquel des deux visages pâles qui ne font qu'un, dois-je le remettre? À moi! Non, à moi! Je ne vois qu'une épreuve pour les départager. Vous allez jusqu'à la colline, vous la contournez et vous revenez. Le premier qui parviendra au totem recevra le scalp. Aigle intègre à parler. Que le meilleur gagne, Todor. Que le meilleur gagne, Bogdan. Ils ont raison. Un peu d'exercice, ça ouvre l'appétit. Un doute assaille Aigle intègre. Vrai Faucon sait-il comment arrêter la pluie? Voyons. Vrai Faucon a la formule sur le bout de sa langue. Ah, non, c'est pas ça. Alors, peut-être... une, deux, flexion des papattes. Une, deux, extension de la queue. Chien à gros nez remporte l'épreuve. Pourquoi on m'a mis un bonnet? Il fait pas froid. Ce chien a dû naître coiffé. Il ne nous reste qu'une solution, Bogdan. Oui, Todor, nous aurions dû commencer par là tout de suite. Rendez-vous dans la grande rue, Todor. Midi pile, j'y serai. Mais on peut pas les laisser 5 minutes, ces deux-là. Tu nous les as ramenés? On s'en serait passé. Qu'est-ce qu'ils préparent cette fois? Un duel. Un duel? Mais ils tirent comme des casseroles, ils vont blesser tout le monde. Ne t'inquiète pas, j'ai un plan pour nous en débarrasser. Hé, hey, petit, tu veux bien me rendre un service? Si, Seigneur Luke. Suis-moi. Quelqu'un devrait leur dire qu'ils ont oublié les raquettes et le filet. T'es sûr de toi? J'interviens pas. Ouais. Si vous pouvez accorder moi petite minute, très bien. J'ai fait discount pour commande groupée. Ah, je me disais aussi. Ah!
À la mode de l'Ouest, s'il vous plaît. Todor, tu as triché? Tu as payé des tireurs embusqués? Deux seulement, Bogdan. Señor Luke, telegrama para los dos señores. Messieurs, avant de vous entretuer, vous devriez prendre connaissance de ce télégramme. Roi Petko III a changé d'avis. Stop. La couronne de Poldavie reviendra au premier des deux princes héritiers qui atteindra le pôle Nord à pied. Stop. Le pôle Nord à pied? Que le meilleur gagne, Bogdan. Que le meilleur gagne, Todor. Bon débarras. Dis-moi, Luke, si ce télégramme n'était pas arrivé, tu les aurais empêchés de s'entretuer, hein? C'est moi qui ai envoyé ce télégramme, Bernie. Alors ça? Luke? Luke? Allons, bon. Ce type disparaît plus vite que son ombre. I'm a poor lonesome cowboy. Of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who is Caballero? The Emperor of the Far West, when he begins his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Lynch, Lynch. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Toujours creuser quatre galeries pour s'évader. Imbécile! Tu voudrais peut-être qu'on creuse ta galerie à ta place? Brahms! Imbécile, on t'a déjà dit qu'on faisait pas la course! Messieurs! Permettez-moi de me présenter, Brad Alimony, avocat. Je me fais fort d'obtenir votre libération. Ou tu ne l'aurais pas remarqué? Nous sommes déjà libres, pieds tendres! On vient de s'évader! Non, je parle d'une libération à perpétuité. Personne ne pourra plus jamais vous remettre en prison, pas même Lucky Luke. Qu'est-ce qu'il a dit là? Lucky Luke! Tu calmes, Joe, tu l'as pas fait exprès. Il a dit Lucky Luke, Joe! Un vrai, tais-toi! Tu sais que Joe ne veut pas qu'on prononce le nom de Lucky Luke. Ouais, chaque fois qu'on dit Lucky Luke, ça le met en rogne. Taisez-vous! Je ne veux plus entendre le nom de Lucky Luke! Personne ne pourra plus jamais nous remettre en prison, tu dis? Ah mais je... c'est-à-dire que... Absolument. Personne, pas même celui dont il ne faut pas prononcer le nom. Chut, chut. Bien entendu, tout service mérite un horaire, oh. Plus les frais. Les frais? Quel genre de frais? Un juge, par exemple. Mais rassurez-vous, j'en connais un pas cher. Mais de quoi qui parle? Retournez dans votre cellule, je m'occupe du reste. Les Dattles ont une plaie. Non seulement il faut les surveiller, mais en plus on passe son temps à reboucher leurs trous. Les Dattles sont revenus! Les Dalton sont convoqués par le juge Batcase pour la révision de leur procès. Ainsi, votre honneur, nous réclamons l'annulation des 1887 condamnations des frères Dalton.
En effet, chaque fois que les Dalton ont été arrêtés, ils ont été sans mandat par une personne nullement assermentée. Il y a donc vice de forme. Absolument. Bien parlé. J'accède à la requête de l'avocat Brad Alimony, ici présent. Et annule l'incarcération des Dalton. Nous disons donc 1000 $ d'honoraires plus 1000 $ pour le juge que j'ai dû provisionner avec un intérêt de 7%, ce qui nous fait un total de 2070 $. Les Dalton! Les Dalton, ils se sont de nouveau évadés! Et hop, je te prends la reine. T'es inattentif, Jolly Jumper. Je ne comprendrai jamais que l'on puisse sacrifier son cavalier pour une dame. Les Dalton ont débarqué! Les Dalton sont en ville! Remarquable! Les gens ont toujours aussi peur de vous quand vous arrivez quelque part. Ceux qui n'ont pas assez peur, je les descends. Toi, par exemple, je trouve que t'as pas du tout assez peur. Qu'est-ce qui m'empêche de te régler avec du plomb? On a toujours besoin d'un avocat avec soi. Là, par exemple, je vais vous être absolument indispensable. Bon, les Dalton, la promenade est finie. Hey, Joe! T'as vu? Il y a Lucky! Machin, qu'est-ce qu'on fait? Laissez-moi faire. Brad Alimony, je suis l'avocat des Dalton. Puis-je savoir de quel droit vous menacez mes honorables clients, Monsieur Luc? Vos clients sont des bagnards évadés. Je dois les arrêter. Ah, c'est moi qui vous arrête. Toutes les condamnations de mes clients ont été cassées par jurisprudence. Ils sont libres. C'est bon pour cette fois, mais si ça venait à se renouveler, mes clients n'hésiteraient pas à porter plainte. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi, truc, ils nous arrêtent pas, hein? On peut m'expliquer? Le juge Batquez a libéré les Dalton? Allons bon, il manquait plus que ça. Quatre limonades et une sous-soupe à l'oignon. La sous-soupe à l'oignon, c'est pour moi. Hey, vous avez vu la tête de Lucky Luke quand l'avocat lui a dit que nous étions dans notre citoyen? Quelle blague. C'était quoi la blague? Ah Siri, on n'a plus besoin de toi, tu dégages ou je fais du guacamole. Du quoi? De la purée d'avocat, imbécile. Si je dégage, comme vous dites, Lucky Luke vous coffrera la première attaque de banque. Mais si par contre, nous envisageons une association sur des bases constructives, je vous l'ai déjà dit, personne ne pourra jamais plus vous remettre en prison. Personne. Les Dalton attaquent la banque! Jurisprudence ou pas, votre compte est bon, Coyote. Mais c'est qui, ce jurisprudence dont tout le monde parle? Tais-toi, Avril! C'est une lamentable bavure! Mais nous ne parlerons plus qu'en présence de notre avocat! C'est bien trop facile. Ça sent l'entourloupe à plein nez. C'est une méprise, shérif. Une effroyable méprise. Et quand on parle de l'avocat, on en voit le bout du nez. Cet homme a agressé mes clients alors qu'ils sortaient de la banque après y avoir déposé leurs économies. Et avoir volé toutes celles des autres clients. C'est de la pure diffamation. Laissez-moi vous expliquer. Alors qu'ils déposaient leurs économies, un bandit a fait irruption, armes à la main. N'écoutant que leur courage, mes clients l'ont mis en fuite. Ouais, et le bandit était si content qu'il a insisté pour nous donner une petite prime. Avec ce qui restait dans son coffre. Hein. C'est votre banque qui a été dévalisée. Vous n'allez même pas témoigner. Je préfère changer de métier. Je veux faire trappeur dans les Rocheuses. Ça a marché. Dis-moi, pied tendre, tu sais que tu me ferais presque aimer la loi. Vous avez vu la tête de Lucky Luke quand il a compris que c'était encore une bavure? C'était quoi la bavure? Bien, si vous le permettez, je vais prendre les 5070 $ qui me reviennent. Demain, ce sera au tour de Santa Fe. C'est moi qui commande, pied tendre. Si tu veux pas 25% des balles de mon revolver. Oui, enfin, je voulais dire que j'avais une excellente explication légale pour l'attaque du train de Santa Fe. Lucky Luke! Le train de Santa Fe! Excuse-moi, vieux frère. Toutes ces interruptions, ça me déconcentre.
imbécile, je t'avais bien dit de doser la dynamite pour ouvrir le coffre, pas le train tout entier. Qu'est-ce que vous allez encore inventer cette fois? On va à la prison? C'est magnifique! Figurez-vous que... Ne me dites rien. Le garde avait perdu les clés du coffre et vos clients, bonnes âmes, se sont proposés pour l'ouvrir. C'est cela? Tout à fait. Bon, la main a été un peu forte, j'en conviens, mais l'intention était louable. Et dans un généreux élan de reconnaissance, les passagers ont fait une collecte pour leur offrir une récompense. Le garde pourra vous le confirmer. Confirmer, je suppose. Si vous voulez bien m'excuser, on m'attend dans les rocheuses pour aller faire le trappeur. Ne crois pas que je vais t'engraisser à perpétuité. Tant que Lucky Luke sera là, vous aurez besoin de moi. Je vais flinguer Luke et après je vais te flinguer. Vous ne flinguerez personne. Par contre, moi, je peux vous en débarrasser moyennant un forfait de 10 000 $ plus les frais d'avance. Ça gagne bien sa vie, un avocat. C'est un métier d'avenir. On a attaqué la diligence. Bon, il est temps de mettre un terme à cette histoire, sinon nous n'arriverons jamais à finir cette partie. Laissez-moi deviner, ce sont les Dalton qui vous ont attaqué ou vous avez perdu au strip poker contre des inconnus de passage? Comment vous l'avez deviné? Ça suffit, un peu de courage, ce sont les Dalton. Pression sur témoin, harcèlement de mes clients, je vous avais prévenu, Lucky Luke, nous allons porter plainte. Affaire Dalton contre Lucky Luke, vous avez la parole, maître. Votre honneur, nous nous trouvons face à une pathologie obsessionnelle, hélas banale, celle d'un cow-boy solitaire qui se prend pour un justicier. Depuis plusieurs années, l'accusé se livre à un harcèlement farouche à l'encontre de mes clients. Tu comprends ce qu'il dit, Joe? Tais-toi, Avrel! Laisse-le causer, il nous coûte assez cher. Le drame de ces quatre citoyens paisibles, rejetés par la faute d'un justicier obsédé. Ils sont surtout paisibles quand ils sont au pénitencier. Ce n'est pas du harcèlement, ça! Lâchez-le ou je vais évacuer la salle! Normalement, c'est moi qui dois dire ça, monsieur Dalton. Joe, par exemple. Joe, le cerveau, le mal-aimé. Racontez-nous dans quel enfer vous avez vécu. Jamais nous n'avons pu faire nos courses tranquillement, mes frères et moi. La liste des courses, Jack? Ouais. Des dollars, et encore des dollars, Joe. Au moment de passer à la caisse, ce cow-boy surgissait toujours pour nous accuser de tricher avec la monnaie. N'est-ce pas depuis cette époque-là que le simple nom de Lucky Luke vous plonge dans de profondes crises nerveuses? Vous ne prononcez pas ce nom! Lucky Luke, monsieur le juge. Arrêtez! Voyez la terreur que provoque la seule mention du nom de Lucky Luke! Qu'essayez-vous de démontrer? Qu'il faut enfermer les Dalton dans un asile de fous plutôt que dans un pénitencier? Accusez-vous! Vous n'avez pas la parole! Jack Dalton, vous vous sentiez en permanence épié par l'accusé. Absolument. On pouvait pas entrer paisiblement dans un saloon. Oh! Lucky Luke s'arrangeait toujours pour nous avoir par traîtrise. Mais enfin, la réputation des Dalton devrait suffire. C'est vous qui êtes à l'origine de la réputation des Dalton. Sans vous, personne n'aurait jamais entendu parler des Dalton. Hey, oh, et vous pas pousser? Oh là là, ça n'est qu'un simple effet de manche. Personne ne traite son Dalton de manche, t'entends? Oh. Vous avez terminé, maître? Oui, je pourrais multiplier à l'infini de pareils exemples, mais je crois qu'il est préférable d'en rester là. C'est suffisamment édifiant. L'accusé a donc la parole. Votre honneur... C'est parfait. Je vais donc prononcer la sentence. Prenez-le! Mais qu'est-ce que vous attendez, espèce de poison? Excusez mon client, votre honneur, mais il est traumatisé par cette affaire.
Je suis trop quoi? Mais qu'est-ce qu'il a dit que j'étais? Du calme, Joe. C'est toi-même qui as dit qu'il fallait le laisser causer, Joe. Accusé, levez-vous. Lucky Luke. Du calme, Joe. Vous êtes condamné à 67 ans de pénitencier pour harcèlement aggravé sur les personnes de Joe, William, Jack et Avril Dalton. Comment ça, 67 ans, c'est tout? Avec tous les frais qu'on vous a payés, vous auriez pu le pendre. Ouais. Surtout qu'on s'en évade d'un pénitencier. On en sait quelque chose. Avril, tais-toi. On va vous mettre dans la cellule des célébrités. Ouais, c'était celle des Dalton. Lucky Luke, cette prison devient mal fréquentée. J'exige d'être transféré. Lucky Luke s'est évadé. C'est ta faute. T'as oublié de reboucher les trous des Dalton. Désolé, mais le responsable des trous, c'est pas moi. C'est toi. Ravi de te revoir, vieux frère. Je me demandais comment tu allais sortir, Cowboy. Maintenant que Lucky Luke est en tôle, donne-moi une seule raison pour ne pas te descendre. On a toujours besoin d'avoir un avocat dans ces relations, hein? C'est pas une raison, ça. Je peux vous fournir des alibis. Je suis le roi des alibis. Des alibis? C'est quoi, ça, des alibis? Si deux d'entre vous s'installent devant ce miroir, tout le monde pensera que vous êtes quatre. Hé, Joe, viens voir ça. Il y a deux types habillés exactement comme nous à côté. Les deux autres peuvent alors attaquer une banque en toute impunité. On ne pourra pas vous accuser. C'est pas bête ça, Joe. Toi et moi, on dévalise la banque pendant que William et Avril font des alibis en attaquant la diligence. Non! Si on attaque une banque, je veux qu'on m'accuse! Voilà, voilà. Comme d'habitude, messieurs les Dalton. Je veux que tout le monde sache que ce sont les Dalton qui ont attaqué la banque. Attendez, je vais vous aider. Alors, cette raison, elle vient... Lucky Luke s'est évadé. Oh, la voilà, la raison. Lucky Luke? Lucky! Alors, Jolly Jumper, ça te fait quoi d'être le compagnon d'un hors-la-loi? Poum, poum. Rien. C'est toujours le même poids à porter. Bon, allons leur donner de bonnes raisons de nous accuser de harcèlement. Ça vient du tribunal. Lucky Luke? Joe, t'as quelque chose marqué dans le dos. Oh! Et puis toi aussi, William. Et toi aussi, Jack. Imbécile! Tu étais derrière nous et t'as rien vu. Ben non, Joe! Il a dû peindre plus vite que son ombre. Alors, messieurs, ne cédons pas à la panique. Vous avez encore un papier accroché là? À partir d'aujourd'hui, la justice n'a plus de glaive. Elle a un colt signé Lucky Luke. Lucky Luke! Lucky Luke! Thank you.
histoire d'aller plaider ailleurs. Hé, hey, le pied tendre, on t'a filé 10 000 dollars or pour que tu nous débarrasses de Lucky Luke. T'as intérêt à trouver un moyen, sinon t'as droit à 10 000 dollars de plomb. Vous voulez quoi? Que vous nous protégiez de Lucky Luke. C'est hors la loi qui menace de notre citoyen. Mais je ne suis pas de taille à me mesurer à Lucky Luke. C'est votre devoir. Vous devez assurer notre sécurité. C'est le seul endroit où vous serez en sécurité. Je ne peux rien faire de plus. On n'a jamais été autant en prison que depuis qu'on est libre. Tais-toi, Avril. Je connaissais la magistrature assise, j'ignorais qu'il existait une magistrature couchée. Vous n'oseriez tout de même pas bafouer la justice? La bafouer? Non. Il lui filait des baffes, peut-être. Pitié! Pitié! Je ferai tout ce que vous voudrez. Je suis encore plus lâche que vénal. Je veux que vous fassiez votre boulot et que vous enregistriez une plainte. Une plainte? Je viens me constituer prisonnier. Le juge m'a demandé de vous faire parvenir ce papier. Des scandaleux, qu'est-ce que vous attendez? Pardon de vous l'avoir emprunté. Mais qu'est-ce que ça signifie? On a déposé plainte contre vous. Vous avez consommé sans payer 52 limonades et 14 soupes à l'oignon. Pour non-paiement de consommation, les dénommés Dalton Joe, Dalton William, Dalton Jack et Dalton Avril sont condamnés à 435 ans de travaux forcés. Et le dénommé Brad Alimony a allé se faire pendre ailleurs. Mais notre arrangement, les frais? Vous insinuez, maître, que vous avez tenté de corrompre la justice? Goudron et plume! Quant à Lucky Luke, compte tenu qu'il s'est constitué prisonnier de son plein gré, la justice le libère sur parole. Adjugé. Excusez-moi, on m'attend dans les rocheuses. Lucky Luke, Lucky Luke, Lucky Luke. Les passagers pour Washington, en voiture, s'il vous plaît. Oh. Le règlement est très strict sur les tâches de goudron, monsieur. Je crains que vous ne soyez redevable de dommages et intérêts. Les Dalton, vous avez de la visite. Max, inspecteur du fisc. Les passagers d'un train ainsi que ceux d'une diligence ont déclaré vous avoir remis à titre de récompense la somme de 43 567 $ et 14 cents. Or, les récompenses sont assimilables à des revenus et en tant que tels sujets à l'impôt. C'est quoi l'impôt, Joe? Ça se mange? Vous êtes donc redevable de la somme de 2 481 $. Vous pouvez toujours contester la somme par le biais d'un avocat. Avocat! 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 Je ne veux plus jamais qu'on prononce ce mot devant moi! I'm a bold lonesome cowboy. Of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who is Caballero? The Emperor of the Far West, when he begins his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome.
piège. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il a pas peur de personne. C'est un honneur pour un grand et jeune pays comme le nôtre de recevoir la représentante d'une vieille et petite nation comme la vôtre. Ainsi donc, voilà la Maison Blanche. My God, cela ressemble à ces demeures que les domestiques se font bâtir dans le Sussex. En Amérique, il n'y a pas de domestiques. Nous sommes tous égaux. En Angleterre, nous avons des châteaux millénaires. Et nous, en Amérique, nous avons des ranches de plusieurs milliers d'hectares. Et nous, nous avons l'Inde. Et nous, nous avons les Indiens. En Angleterre, nous avons le plus grand détective du monde, Sir Sherlock Holmes. Et nous, on a Lucky Luke. Lucky qui? Lucky Luke. L'homme qui tire plus vite que son ombre. Nous, on a Kiki Luke. Il est meilleur que votre Sherlock Holmes. Meilleur que Sherlock Holmes? It's impossible. Prenons les paris. Eh bien, soit, parions. Bien entendu, notre accord doit rester secret. Voilà comment nous allons procéder. Faire avec des machins pareils. Joe, plutôt que de reprendre une petite cuillère, pourquoi on n'irait pas demander des outils? Je vais demander au gardien s'il peut pas nous dépanner d'une pioche. Désolé, Joe, y a personne. J'ai rien vu. Oh. T'es tombé sur une clé. Joe, elle est là. Oh, quel métier. Ah, c'est plus facile de les retenir que de les faire partir. Luke, télégramme. Ce pénitencier est une vraie passoire. Va falloir y aller, Jolie. Évidemment, quand les Dalton s'évadent, je peux aller me faire shampooiner ailleurs. Oh! Alors, étranger, elle est pas pittoresque, notre coutume locale. Positivement, folklorique. Ne bougez pas, je vais vous sortir de là. Désolé, cette branche a été plus rapide que moi. Mon nom est Holmes, Sherlock Holmes, détective privé au service de la reine. Et moi, je m'appelle... Ne me dites rien. Faut pas se gêner.
Si j'en juge la poussière déposée sur la croupe de votre cheval, vous avez parcouru 1234 miles et 345 yards d'une seule traite. Vous êtes loin, très loin de votre foyer. Tout indique aussi que vous êtes un cow-boy solitaire. D'autre part, l'usure de votre étui de revolver démontre une aptitude à dégainer hors du commun. Vous êtes Lucky Luke. C'est ce qu'on appelle avoir le sens de l'observation. Observation, analyse, déduction. Tout mon génie tient en ces trois mots. Soyez assez aimable d'aller me chercher de l'eau pour Bucéphale. Oh. Eh bien, soit, j'irai moi-même. Les basses besognes ne m'effraient pas. Personnage original. J'espère qu'il ne va pas trop se pencher. Le poids de sa tête le ferait couler à pic. Que vient faire un détective privé au service de la reine, si loin de son fog anglais? Mettre la main sur quatre dangereux malfaiteurs. Les Dalton, vous connaissez? Ouais, on s'est croisés. Le Far West est un territoire dangereux. Vous n'aurez pas toujours la chance que vous avez eue tout à l'heure. J'avais calculé que le point de rupture de la branche se situait aux alentours de 70 kg 450 grammes. Or, mon poids est de 71 kg. La branche serait de toute manière rompue. Béni soit la cuisine anglaise et son célèbre pudding. Alimentaire, mon cher Holmes. Comment ça va, Luc? Une limonade bien frappée, comme d'habitude? Ouais. Et pour moi, un thé. Un quoi? C'est une sorte d'herbe parfumée, finement hachée et infusée dans une eau frémissante, mais pas bouillante. Dis-moi, Bill, t'as pas entendu parler d'une attaque de banque, d'un vol ou autre chose? Les Dalton se sont évadés. Wow, wow! Les Dalton nous ont attaqués! Il y a à peine une heure, sur la route de Painful Gulch! Voyons, Luc, vous avez déjà oublié. Observation, analyse, déduction. Pas le temps! Cocher, puis-je voir votre calèche? Eh, si c'est de la diligence dont vous parlez, elle est là. Avec un peu de chance, on en aura fini ce soir, Jolly. À moi le bain chaud et l'avoine. Un régime s'impose, vieux frère. Ouais, j'ai 64 kilos à perdre. Si tu veux mon avis, ce ne sont ni les vers ni ton poids qui sont la cause de notre chute. Ce qui m'étonne, c'est que les traces ne continuent pas de l'autre côté. Est-ce que les Dalton seraient devenus subitement intelligents? Le violon est ma passion. Ah oui, moi c'est l'harmonica. Ça se vaut. Une tasse de thé, Luc? À défaut d'autre chose. Vous avez perdu leur trace? Du lait. Ouais. J'ai calculé qu'ils n'ont pas pu aller au-delà d'un périmètre de 18 yards. Peut-être moins. Demain, on ira en ville faire quelques courses. Hey, Joe! Je vais chercher de l'eau à la rivière avant de manger. Ouais, va chercher de l'eau, abruti. On passera à la banque vers midi. Il y a moins de monde. Vous savez, Luc, je trouverai les Dalton avant vous. C'est scientifique. L'important n'est pas de savoir qui trouvera en premier ces coyotes, Holmes. L'important est de les remettre sous les verrous. Belle soirée, non?
Lucky Luke! Lucky Luke est là, juste à côté. Quoi? Lucky Luke? Pas un geste. Tu es Lucky Luke! Tu es Lucky Luke! Luke? Luke? Vous êtes là? Arrêtez! Au nom de Sa Majesté, je vous demande de vous arrêter. Vite, Joe! Aux chevaux! Je vous somme d'arrêter immédiatement, if you please. Oh! Rien de cassé? J'ai été assommé. Elle fait appeler anglais. Qu'en faites-vous? Vous avez raison. Vous êtes un original, mais vous n'êtes pas malhonnête. Où en est notre champion, Edgar? Nous veillons à ce qu'il conserve son avance, Majesté. Veillez, Edgar, veillez! Le visage rubicond de Grant, dégustant sa victoire, nous plongerait dans une humeur désaccroître! Holmes, Ansel! Ils ont très peu d'avance. Allons, mon cher Luke. Une simple rogne d'ongles peut nous éviter une longue et fastidieuse chevauchée. Mm-hmm. Positivement captivant. Cet ongle a été rangé il y a 8 minutes. Il appartient à quelqu'un qui n'a pas vu de savon depuis environ 654 jours. La compulsion de la rognure implique une très forte concentration intellectuelle. Le sujet devait être en train de perpétrer un mauvais coup. Une attaque de banque, vraisemblablement. Moi, je peux même vous dire qu'il s'agit de la banque de Ridge Gulch, située à exactement 34 miles d'ici. Avec cette vieille ruse de Sioux, il ne risque pas de nous retrouver. J'y aurais jamais pensé, Joe. À l'envers, moi je me mets à l'envers, Joe. C'est pour un retrait du plomb contre des billets verts. Allez, on se grouille. Belle technique. Ouais, ben, c'est ce qui s'appelle tourner le dos à la tradition. C'est Lucky Luke. Il a mis deux de mes franges à l'ombre. Les Dalton sont passés par chez vous? Ils ont attaqué la banque il y a moins d'une heure. Alors, mon brave, ne sentez-vous point que votre insistance est déplacée? Monsieur Luke est en conversation avec l'aubergiste. Vous savez quelle direction ils ont pris? Vers l'est en marche arrière. Allons-y, Holmes. Oh. Holmes? Un petit instant, Luke. Ces braves gens m'ont gentiment invité à leur table de poker. C'est un jeu que je ne connais pas, je ne perds jamais une occasion de me cultiver. Si vous voulez vous faire plumer, moi je vous attends dehors. C'est très simple. Il y a 5 cartes par personne. Luke et Luke sort, suivons-le. Salut, beauté. On se promène? Alors?
Nous avons perdu la trace de Lucky Luke, votre majesté. J'espère que vous avez une bonne excuse. Nous avons dû défendre l'honneur de l'armée britannique, votre majesté. Ce jeu est terriblement facile. Majesté. Holmes, l'honneur de l'Angleterre est entre vos mains et vous, vous jouez aux cartes. Nous exigeons que l'éternel Albion dame le pion à ces fichus mangeurs de pop-corn. Vous entendez, Holmes? Trouvez-nous ces bandits. Majesté, vous allez être satisfaite? Je les ai trouvés. Il se sentira peut-être un peu serré au début, mais qu'il ne s'inquiète pas. Il se fera sa pointure. Élégant mais discret, je les prends. Bon, je vais chercher Holmes et Ansel. Mais où a-t-il bien pu passer? Son chariot est toujours là? Étrange qu'il disparaisse comme ça sans... Papa m'avait parlé de cette planque il y a longtemps. Attention, ça mouille! Ça mouille! Oh là, ça mouille! Vous auriez pu prévenir que ça mouillait! Ils sont partis par là. Selon les préceptes du commandant Holmes, si un criminel part dans une direction, cherchez-le dans la direction opposée. Bon, vous suivez les préceptes du commandant Holmes. Moi, je suis la piste de Dalton. Merci, Avril, mon tout beau. Y a pas de quoi, madame la reine. Qu'est-ce qu'on va faire d'eux? On va demander une rançon. Bon, faut rédiger une lettre. Qui sait écrire? Toi, tu dois savoir écrire. Majesté. Il faut plier le genou, Avril, tout en saluant dignement. Plus ample le mouvement de la grâce de l'allure. Je me suis mélangé les jambes, majesté. Joe, comment tu sais que c'est bien une demande de rançon? C'est vrai ça, Joe? Personne ne sait lire. Il a pu écrire n'importe quoi. Il faudrait la faire lire à quelqu'un. Oui, mais à qui? Joe, c'est moi, Lucky Luke. Je sais que vous êtes là. Avril. Ben quoi? J'ai simplement fait une lessive. Rendez-vous sans faire d'histoire. On a des otages. Holmes est la reine de je sais plus quoi. Si tu fais un pas de plus, je les descends. Je te propose un marché, Joe. Moi contre la reine. Mais à une condition. L'échange doit avoir lieu sur un pont. Un pont? Mais on est à des kilomètres du premier pont. C'est vrai? Pourquoi un pont? Parce que les échanges d'otages ont toujours lieu sur un pont. Timber! Je suis le roi des ponts. Une fois qu'on a Luke, vous récupérez la reine, d'accord? Vous savez nager, Majesté? L'Angleterre est un pays entouré d'eau, Monsieur Luke. Dis, Joe, t'as pas peur qu'il... plonge? Ruisseau! Mais ruisseau!
Faut le sortir de là. Bah vas-y toi. Tu sais bien que je sais pas nager. J'ai une idée. Joe, écoute-moi. Tu vas pousser avec tes jambes tout en tirant avec les bras. Comme ça, regarde, tu pousses, tu tires et tu ramènes le long du corps. Je suis navré, Votre Majesté, de n'avoir pu être le meilleur. Oh, ce n'est pas grave, Holmes. Nous devons vous avouer quelque chose. Nous ne nous sommes jamais autant amusés depuis... fort longtemps. En route. Il nous reste encore du chemin à faire. Je vous les ramène et pour de bon, j'espère. Alors, les Dalton, cette permission? Cette permission? Ah oui, recevoir l'ordre du président de les laisser s'enfuir, de tout faire même pour qu'ils s'évadent, moi, j'appelle ça une permission. Un certain Lucky Luke demande à être reçu par Monsieur le Président, Monsieur le Président. Faites entrer! Mon cher Luc, grâce à vous, l'Amérique vient une nouvelle fois de frapper un grand coup. I'm a poor lonesome cowboy. The Poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this Caballero? The Emperor of the Far West, when he begins his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Devinez qui s'est évadé. Je pense qu'il s'est oublié de reboucher le trou après notre dernière évasion. C'est notre 107e évasion. 109. En comptant notre libération par erreur. C'est moi la mémoire de la famille, et si je dis 109, c'est... À cheval, on vient. Déjà Lucky Luke, on est à peine chaud. Ça vient de par là. Je sais, imbécile. Capture, ce sera la 107e fois. La ferme! Je suis poursuivi par des bandits. Ils en veulent à la vie du petit. J'entraîne les assassins à ma poursuite. Prenez-en soin. Je suis Joe Dalton. Justement, tout le monde vous craint. Nul ne saurait le protéger mieux que vous. Bah, je suis très méchant. Je peux lui faire du mal. Confier un nourrisson à Joe Dalton, y a des gens qui doutent de rien. Un bébé, un vrai bébé. On peut le garder, Joe? Pas question, jetez-le au vautour. Ah.
pas vrai, mais achetez-le! On dirait qu'il t'a à la bonne, Joe! Gucci, Gucci! Hey! C'est qui? Aïe! Il est parti par là. Regarde, Joe! Il t'aime! T'as de la chance que j'ai les mains pleines! Saleté! Dire qu'il y a des gens qui font des bébés exprès! Déjà 107 fois. Non, 109. Personne en veut? C'est lui qui veut pas de nous! Il t'a choisi! Il faut l'apprivoiser! Comme avec les souris! Eh ben vas-y! J'ai pas de fromage! Ok, la blague a assez duré! Ma le disait toujours, un enfant, c'est un boulet. On a déjà eu assez de mal à se débarrasser des nôtres. Allez, en route. Pierre, vous venez? Mais Joe, c'est mal. Justement, faire le mal, ça fait du bien. C'est pas bien, Joe. Ça, ce serait bien, mais un bébé, c'est pas bien. On peut pas le laisser comme ça, Joe. Pense au soleil, aux coyotes. C'est sa seule maman, Joe. Mais dès qu'on trouve une église, on le laisse sur le pas de la porte. Une église ou une ferme? Où est le bébé? Jamais tu ne le trouveras. Tu peux me torturer, je ne parlerai pas. C'est ce qu'on verra. Qu'est-ce qu'on verra? Il peut pas être loin, on va le chercher. Toi, je te laisse à la fin, la soif et aux coyotes, ça t'apprendra. Ça lui apprendra quoi? Ça lui délira la langue si on l'a pas trouvé d'ici ce soir. Nous sommes des fermiers et nous vivons heureux. La récolte est bonne, tout va bien. Au vrai qu'on lit. Si seulement le Seigneur nous accordait un enfant. Dans les choux. Comme ça, ça aura l'air naturel. Qu'on pense qu'on a été petits comme ça, nous aussi. Maintenant, à la banque. Il y a le cochon qui s'énerve. Sois pas triste, Joe. On n'a plus le lardon, mais on a les jambons. Je suis pas triste. Ils ont fait une rencontre ici, avant de repartir par là. Où les Dalton, ça va, ça vient. Connie, regarde ce que le ciel nous envoie. Un petit gore dans un chou. C'est bien comme ça que ça marche, en fait. Hein? On s'est trompé toutes ces années. Gouzi, gouzi. T'as pas faim, Joe? Non, je préfère écumer à jeun. Au fait, pourquoi il y a des gens qui en veulent à ce bébé? Sûrement une histoire d'argent. Ça, ils doivent valoir cher le trésor. Bien sûr qu'ils vont cher, des millions sûrement. On va le rechercher. C'est curieux. Ils ne se sont pas directement dirigés vers une banque, comme d'habitude. Mon bébé! Mon bébé! Non! Oh, soyez maudits! Fais quelque chose, mon Dieu! Ils ont oublié le biberon! On fait pas d'omelette sans piquer une poule! Elle a dû le confier à quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'à 3 mois, tu te barres pas tout seul dans le désert. Pourquoi? Bon, il faut...
faut trouver le type qui nous cherche. Les Dalton ont kidnappé votre bébé? Ils ont demandé une rançon? Non! Même pas! Un bébé de quel âge? Oh, comme ça! Ne pleurez pas, madame. Je vous le ramènerai. Nous sommes morts! Ce que le ciel donne, les Dalton reprennent. Étrange. Voilà qu'ils donnent dans le rapt d'enfants maintenant. Besoin d'un héritier à qui transmettre leurs valeurs, peut-être? Drôle d'odeur, nous! Je crois qu'il faut changer. Les changer contre quoi? Le changer de vêtements, imbécile! Allez, donne le sac! Il sait changer les vêtements des bébés, Joe? Non, mais William sait, lui. Allons! Y'a que toi qui peux le toucher! Retournez-vous! On a sa dignité. Kidnappe. On l'a trouvé dans un chou. Les Dalton, hein? Ils sont sûrement au courant de l'héritage. Il va falloir jouer serré. Le ciel nous punit d'avoir menti à Monsieur Luc. Il nous a envoyé deux cavaliers de l'Apocalypse. Il faut dire la vérité à Monsieur Luc. Oh, pourquoi il continue de pleurer? Tati veut que tu recommences. Il a peut-être faim aussi. Tu veux pas pondre un bon coco pour le petit coco? Où est la nourriture? Pourquoi tout est vide? Crétin! Par ta faute, on doit faire des courses! Mais la nuit tombe! La poule! Y'a qu'à la traire! Où sont les pies? Y'a des faillots! Peut-être qu'il aime les faillots! Ça mange pas de faillots à cet âge-là, ça mange du lait! Ouais, bah il va manger des faillots comme tout le monde! Quel peut être l'intérêt des Dalton à voler l'enfant d'un couple de fermiers? Ça sent les faillots. Les Dalton? Attends-moi là, je vais voir qui c'est. Une drôle de cuillère si vous voulez partager mon repas. Non, je croyais. Il paraît que les Dalton rôdent dans le coin. Il paraît. Ils vous doivent de l'argent? Oui, enfin non, je veux dire, faut mieux être sur ses gardes, hein. Vous avez raison, prudence est mère de sûreté. Lucky Luke. Oh, le Lucky Luke des Dalton. John Smith, Smith. Bon, ben, je vous laisse. Si vous craignez les Dalton, autant rester avec moi. Non, mais bon, j'ai du chemin. Et puis, on doit tous y passer un jour, alors. Les Dalton ou autre chose, hein. Voilà un type qui n'est pas franc du collier. Chez nous, on disait « pas droit du licou ». C'était Lucky Luke. Il poursuit les Dalton. S'il les trouve avant nous, c'est fichu. Retarde-le discrètement, qu'il se doute de rien. Moi, je cherche les Dalton et le môme. Qu'à cause de toi, je peux même pas les piller. On pourrait l'emmener pour son éducation. Oh, il est trop dangereux. Si ce bébé vaut de l'or, il faut pas l'abîmer. Bon, je vous attends ici. Allez faire les courses. C'est la bonne heure si vous voulez pas rater l'accueil. Oui, Joe. Mais n'oubliez rien. Non, Joe. Oh!
savon, du talc, de la crème pour la petite fesse, du bidule à l'oreille. Des langes, des épingles, des... Oh, les jolies couleurs! Et moi? Et ils n'ont même pas touché la banque. Même pas tenté. Ils ont un bébé. Les Dalton se reproduisent! Non, non, rassurez-vous, c'est un kidnapping. Oh! Mais sans demande de rançon. Oh! Peut-être veulent-ils former un futur desperado? C'est une hypothèse qui fait frémir. Ah! Les Dalton! Non! Les Dalton sont cinq. Lui, il est tout seul. Viens m'attraper si t'es un homme, Lucky Luke! On voudrait m'attirer dans un piège que ça ne m'étonnerait pas. Ça marche bien. Que veux-tu, vieux frère? Je suis d'un naturel curieux. Et si les Dalton reviennent? J'ai plus de crème pour les petites fesses. Ils seront furieux. Pas de panique. Peut-être passeront-ils juste à la banque. Je cherche Lucky Luke. Il vient de partir. Vous lui voulez quoi? Je suis pas le père du bébé. Nous l'avons plus! C'est le type qui cherche le bébé. On va enfin pouvoir s'en débarrasser et se faire du fric sur ses petites fesses talquées. Allez, pleure! Faudrait peut-être salir sa couche. Fais pas la vraie, Jack! Allez, pleure! Laissez-moi faire. Regarde! Ouin ouin, fromage. Pas ouin ouin, pas fromage. On pourra lui donner une fessée? On va pas l'abîmer, j'ai dit! Allez, pleurez-vous! J'ai dit pleurez! Oh, oh, on dirait des pleurs de bébé! C'est bon, vous pouvez arrêter! Ça a marché! J'ai dit c'est bon! Je vais te faire du mal, Lucky. Bel endroit pour un piège. Monsieur Luc! Merci pour l'escalier. Je dirai rien. D'ailleurs, je suis sourd et muet. Ok, les Dalton. Dites votre prix. 100 000! Ça fait cher du kilo. 50. Mais il a une layette tricotée main. Regardez les petits chaussons. 75. Ok. Marché conclu. Il va pas lui faire du mal, hein, Joe? On s'en fiche, on est les Dalton, on est méchants! On va pas s'attacher à un niard tout de même! C'était notre premier enfant! Rends-moi-le! Mais... D'accord, 100 000. J'ai changé d'avis, je vends plus. Allez, dégage maintenant. Dégage, j'ai dit. J'ai rendu 75 000 $. Oui, mais t'as raison. Au prix du kilo, vaut mieux attendre qu'il soit plus grand. J'ai senti comme une impression de moule. Il faut trouver un docteur. Monsieur Luc. Les Dalton reviennent! Oh. Où habite le médecin? Hein? Le médecin? À la sortie de la ville. Mais dites, vous ne voulez pas attaquer ma banque? C'est une très bonne banque, vous savez! Si vous ne l'attaquez pas, les gens n'auront plus confiance! Ambiance mexicaine, tendance sieste, ou bien les Dalton sont repassés par là? Les Dalton sont en ville. Glissez votre prisonnier sous la porte. Hein? Oh, c'est un beau bébé que vous avez là. Sans les pattes! Écoute, chaque fois que je regarde ce niard, j'ai la poitrine molle, et puis un truc bizarre dans le ventre. C'est grave? Non, je dirais... une bouffée de tendresse. Oh, Joe, t'es
tendre. Je suis Joe Dalton. Je suis pas tendre. Lucky Luke vient ici. Il est malade. Allez les Dalton, fin du babysitting. Tu peux tirer. Si on est blessé, on a un docteur. Il ne sera pas tiré avec l'enfant. Ça vous apprendra à respecter la tradition. Non. Espèce d'abrut. Vous n'aurez pas la peau de JR, assassin. Fleur d'enfant, monstre d'insensibilité. Allez les frangins, rendez-vous. Bon alors, pourquoi vous intéressez-vous à ce fils de ferme? On dira rien, nous aussi on est sourds et muets. Mais pourquoi il pleure comme ça? Parce que t'es vilain. Tu vois, Junior, le monsieur, il est méchant. Il s'appelle Lucky Luke. Papa Lucky Luke, hein, Junior? Vilain. Gentil. Ça alors, Joe Dalton faisant la nounou? J'aurais tout vu. Je suis pas une nounou, je suis Joe Dalton. Donne, c'est vraiment pour qu'il arrête de nous casser les oreilles. Demain, on ira rendre ce bébé à ses parents. La dynamite sauta et le coffre s'ouvrit, dévoilant les lingots promis par la fée Winchester. C'est alors que le méchant Lucky Luke fait irruption. Monsieur Luke, c'est gentil de m'apporter un cheval. Alors je pense qu'un jour, on lui racontera des histoires de Dalton pour lui faire peur et qu'il rigolera. Et alors, c'est un précurseur. Les truands seront les héros des nouvelles générations. Je l'adresse pour la chasse. Ah, la chasse au ver de terre. Ouais, y a quelqu'un? On vous ramène votre bébé. C'est pas mon bébé. Ah bon? Il est à qui alors ce bébé? À moi. Il est à moi. Monsieur Luke! Je suis pas le père de l'enfant. Bon, je sais, c'est qui alors? Monsieur Dalton! Merci, merci! Vous m'avez retrouvé, Junior! Et comment elle s'est libérée, elle? J'ai passé 24 heures sans manger, j'ai maigri de 24 kilos. Ça a desserré les liens. C'est donc vous la mère de l'enfant? Oui, oui, bien sûr! N'est-ce pas, Junior, mon chéri? Ne la laissez pas, c'est elle qui a tout combiné. Elle nous a engagés pour enlever l'enfant et a essayé de nous doubler. C'est faux! Junior, c'est le bébé à sa maman! Il n'a pas l'air de cet avis. C'est le fils de Marmaduke III, le roi du cornet de bif. Marmaduke est prêt à payer $1 million pour le revoir. Ugly Bob peut vous le dire. Qu'est-ce que je peux dire? J'allais pas partager $1 million avec ces deux imbéciles. Attention! Aïe! Ma poule de chasse! Bon, maintenant qu'on y voit un peu plus clair, on va pouvoir restituer cette charmante machine à brailler à son propriétaire légitime. Il faudrait réanimer sa nanny. Joe! Joe! Joe, t'es mort! Si t'es mort, dis-le nous, Joe! Junior, il pleure! Faut le changer! Il aime Tiz, Baba. Non, et non, je l'aime pas! C'est Joe Dalton et j'aime personne! Le petit Junior Marmaduke n'oublia jamais Joe Dalton. Et Joe Dalton n'oublia jamais non plus Junior Marmaduke. À qui tu penses, Joe? À personne! Je pense à personne! Et le premier qui me parle de Junior, je le pulvérise! I'm a poor lonesome cowboy.
poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau batrousse, es caballero. The Emperor of the Far West, when he gains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il n'a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Première fois qu'on passe par là pour rentrer à la prison. C'est joli. Brave garçon. Sans eux, ils ne sortiraient jamais. Oh, à ce propos. Mulot Gourmand sera chef des bras cassés. Il succédera à Castor Hargneux, son père. Mulot Gourmand ne veut pas être chef des bras cassés. Mulot Gourmand veut être chef cuistot. Il n'en est pas question. Un fils succède à son père. Depuis toujours, ainsi font les bras cassés. Ce n'est pas une raison. J'aurais dû l'appeler Anne Batté. Il serait temps aussi que Grand Ours à poil ras, ma fille, prenne un époux. Grand Ours n'a pas encore trouvé mocassin à son pied. Pourquoi Grand Ours à poil ras ne peut-elle pas devenir chef des bras cassés à la place de Mulot Gourmand? Parce que depuis toujours, ainsi font les bras cassés. Il va encore courir pour rien, Joe. C'est vrai, Luc nous rattrape toujours. Hein, Luc? Ouais. À quoi tu joues, Joe? La façon dont ce Dalton rompt la monotonie du voyage est d'un monotone. Laissez-le moi. Elle est bonne, hein? Pris! Berre, ça sent l'homme mouillé. Castor Hargneux remercie Petit Saumon Frétillant d'avoir sauvé mon fils de la noyade. Petit Saumon Frétillant a sauvé la vie de Mulot Gourmand. Grand Ours a trouvé mocassin à son pied. Ils vous font à ravir. Selon la tradition, Petit Saumon Frétillant et Mulot Gourmand sont frères de sang. Petit Saumon Frétillant peut demeurer chez les bras cassés le temps qu'il le désire. Joe Dalton ne peut pas rester ici, chef. Il est attendu au pénitencier. Si! Si je veux rester, je veux rester! Le visage pâle veut une guerre indienne? Mais Joe est un bandit, chef. Un vrai sauvage. Depuis toujours, ainsi font les bras cassés. Qu'on apporte le calumet de la fraternité. «
Vous ne mettez pas de tabac dans vos calumets? Le tabac est mauvais pour les bronches. Depuis toujours, ainsi font les bras cassés. Grand chef. Mon fils peut m'appeler papa. D'accord, papa. Mes frères peuvent-ils rester avec moi? Les frères de mon fils sont mes fils. Ok, bon courage, chef. Allons télégraphier au gouverneur. À mon avis, les Dalton vont pas rester à enfiler des perles indiennes. Qui adopte les Dalton risque d'y laisser des plumes. Frère de mulot gourmand, un peu hamster de grand ours maintenant. Le premier qui rigole, je lui colle une beigne. À propos de beigne, goûtez-moi ça. Beignet au rognon de coyote. Recette de mulot gourmand. C'est quoi ces trucs blancs dans la sauce? Termite, goûtez, vous verrez, les pâtes chatouillent un peu, c'est délicieux. Il m'a promis que s'il ouvre un restaurant, il livrera le pénitencier. Jamais Castor Hargneux, mon père, ne me laissera ouvrir un restaurant. On surveille les Dalton de loin. On trouve un moyen de les récupérer sans déclencher de guerre. On peut toujours compter sur leur bêtise. Sur qui? Écoutez, ici, on est protégé, intouchable. Profitons-en pour nous faire un bon magot avant de filer. Joe, t'es génialement rusé. C'est le plus indien de nous quatre, t'as un plan? On sort, on pille, on revient, on repille et on se casse. Qui veut des queues de crotale farcies? Moi. Mulot gourmand préfère les marmites aux armes. Qu'ai-je fait au grand Manitou pour mériter un fils pareil? Papa chef, nous les armes on adore. D'ailleurs, à ce propos, il faudrait nous en procurer. Ah, si mon fils pouvait transmettre à son frère sa passion et sa fougue guerrière. Mais demain, tant des armes. Aujourd'hui... tant de la danse. Bonne nuit. Tu m'apportes mon petit déjeuner au lit demain, Johnny Jumper? Moi, mon petit déjeuner, c'est mon lit. Ces niches de voyage, on a beau dire, ça sent. Des armes, ça? Traditionnelles et efficaces. Elles ont fait leur preuve, mon fils. N'avez-vous pas de Colt, des fusils, des canons? Parce que depuis toujours, ainsi font les bras cassés. Grand ours peut donner des leçons particulières de tir à l'arc à petit saumon frétillant. Mulot gourmand va cueillir des herbes. Mon fils pense vraiment pouvoir transmettre son esprit guerrier à son frère? T'inquiète pas, papa, dans la famille, on est tous des durs. Mulot gourmand, attends-moi!
ça, c'est excellent, saupoudré sur un pâté de loutre. Ça, c'est meilleure nature. On a trouvé les escargots. Aujourd'hui, les bras cassés mangeront des restes. Mon fils sort avec ses frères pour apprendre à se comporter normalement. Comme un sauvage! Compte sur moi, papa. On ne farcit pas une tête comme une pintade. Que caille des plumées prépare mon cheval. Castor Arnule préfère rôti ou bouilli? Pour monter dessus et les suivre, crétin des rocheuses! Mon frère perd son temps. Jamais Mulot Gourmand ne succédera à son père. T'inquiète, frangin. On avait simplement besoin d'un prétexte. On va se trouver des vraies armes et faire une petite collecte. Eh bien, voilà qui vient à point à qui sait attendre. Oh, oh, regardez, Priscilla, des Indiens. Oh, c'est tellement typique. Silence! Vous allez nous donner gentiment vos armes. Sinon quoi? Sinon, on vous transforme en passoire. Qu'ils sont drôles. Excellent, excellent, bravo. Vous avez une petite pièce, Rhett. C'est un bon début, non? Et si on leur chantait la chanson que Ma nous avait appris pour nos... Non! Nous sommes les Dalton. Moi, je suis Jesse James. Oh, c'est pas tout ça, j'ai un horaire à respecter. Encore merci pour le divertissement. Restez là. Restez là. Ça devient une habitude. Adieu, les Kilek. Mon fils, on ne frappe pas celui qui sauve son frère de la noyade. Juste des herbes magiques et de la bouse de bison. Comprends bien. Luc est frère de sang de Mulot Gourmand, qui est frère de sang de Joe, qui est notre frère. On est donc cousins de sang. Du goulash. J'adore le goulash. Mon fils est un bras cassé maintenant. Il n'a droit qu'à des armes de bras cassé. Castor Hargneux va enfermer le bâton qui crache le feu dans le tipi des chefs. Mes enfants, l'heure de l'initiation approche pour votre frère Mulot Gourmand. Hein? Va falloir passer à la casserole. Ça va, ça va. On va voir comment tu seras, toi, avec des peintures sur le flanc. A redécoré son tipi. Elle veut la vie de petit saumon frétillant. On dirait que Joe a tiré le gros lot. Bon, c'est très joli, hein. Petit saumon frétillant veut-il tester le confort de ma peau de bison? C'est un grand timide, il a besoin d'être un peu brusqué. Mais il vous aime, c'est flagrant. Il faut qu'on file d'ici. Mais je croyais qu'on était en sécurité. Plus moi. Mon petit saumon, où es-tu? Faut récupérer le colt de Luc. On le descend et on file. Mais Joe, tu vas briser le cœur de Grand Ours.
C'est pas parce que je vais te pisser, moi. Vous goûtez mes aisselles de puma marinées? Surtout que bientôt, finit la cuisine. Écoute, pour ton resto, on peut t'aider. Mais il faut que tu récupères le colt de Luc. Mais papa l'a rangé dans la boîte sacrée. Je peux pas. Tu as envie de mariner ici? Comme ton puma? Et maintenant, mon frère ne va pas commettre de bêtises. Moi? Terminus, cow-boy. Entre là-dedans. Je ne sais pas si papa appréciera. Plus rien ne peut s'opposer à ce que je te descende, Lucky Luke. Mon petit saumon timide, pourquoi te caches-tu loin de moi? Que mon frère libère les bisons furieux de ses sentiments. Le frère de mon fils a déshonoré ma fille. Oh non! Ah si! Mon fils a déshonoré ma fille! Comme depuis toujours, ainsi font les bras cassés, Mulot Gourmand va montrer qu'il est digne de devenir votre chef en ramenant la peau du grizzly qu'il aura chassé à cloche-pied et à main nue. Une seule main nue. Ça doit être une épreuve ancestrale. Ça impressionne toujours. Et à son retour, Petit Saumon épousera Grand Ours, à qui il a fait la traditionnelle demande dans son tipi. Ah ! En route, tes frères et moi-même attendrons ton retour triomphal. Mon frère est un faux frère. On peut pas s'en aller comme ça sans dire au revoir à papa. Et puis, Grand Ours, t'as pensé à Grand Ours? Elle va être si triste. Étranglez-le ou je le descends. Et voilà. Comme prévu, les oisillons quittent le nid familial. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai les babines pâteuses. Désolé, cowboy. On est suivi. On file. Mais Joe, c'est peut-être l'amour qui te poursuit. On se planque. Petit saumon sauvage, je t'ai vu. Où es-tu? Que fais-tu? Castor Hargneux est venu voir comment Mulot Gourmand se fait déchiqueter par un ours? Non. Castor Hargneux veut donner ceci à Mulot Gourmand. Je croyais que Mulot Gourmand devait tuer l'ours avant de ramener la peau. Ainsi, depuis toujours, les chefs des bras cassés s'arrangent avec la tradition. Ah! On peut s'arranger avec la tradition? Ma fille! Ma sœur? Alors pourquoi Grand Ours ne pourrait-elle pas être chef?
Parce qu'ainsi, depuis tout je... Sinon, raconte tout à la tribu. Finalement, peut-être la squaw est-elle l'avenir du guerrier. Attention! Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Se bouffer le guéluc ou je te descends? Petit sauvage est une crapule. Il est temps de réaliser. Il y avait un bal et on m'a pas invité? Beaucoup de monde dans la grotte secrète. Joe! Tu ne pouvais tout de même pas tirer sur ta sœur alors qu'elle allait devenir ta femme? Grand ours ne deviendra jamais la femme de petite crapule frétillante. Alors, vous êtes libre? Mais plus nous! Alors moi, personne m'invite à danser. Je souhaite bonne chance à mon frère Mulot Gourmand. Il sera un grand chef. Et à ma sœur Grand Ours, elle sera une grande chef. Castor Arnu regrette de s'être trompé. Petit Saumon n'était qu'un misérable serpent. J'aurais dû reconnaître la valeur de Lucky Luke. Et vous? Au point où on en est avec la tradition, on peut se serrer la main. Grand Ours et Mulot Gourmand avaient inventé deux nouvelles façons d'être un grand chef. Et depuis ce temps, ainsi les bras cassés ne font-ils plus forcément comme papa. I'm a poor lonesome cowboy. Of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this Caballero? The Emperor of the Far West, when he begins his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. C'est un fait. Un astronome italien a découvert qu'il y avait des canaux sur Mars. C'est ça, Luc. Et tes martiens, ils vont venir nous envahir en péniche. Riez, riez. Mais je vous le dis, moi, nous ne sommes pas à l'abri d'une invasion d'extraterrestres. T'entends ça, Fleetwood? Des habitants sur Mars. Ouais, ouais, j'ai entendu. Pourquoi pas des Américains sur la Lune, tant qu'on y est? Ces journalistes, qu'est-ce qu'ils vont pas inventer? Sacré Luc! Un journaliste n'invente jamais rien! Il se contente de rendre les faits, rien que les faits! Tu me parlais un peu plus de ces martiens. C'est quoi donc, Spidula?
Direction, on voulait la noix rôde. 3 jours que la noix rôde a disparu. Les extraterrestres sont-ils parmi nous? Demandez le cri de Cactus Hall. Il lit en conduisant maintenant. Les lumières tournaient dans le ciel noir, ça avait la forme de sous-tasse qui volait, nous dit le fermier Patfouldi. Wow, ça fout les jetons! Des sous-tasses volantes! Patfouldi a dû abuser de ce qu'il y avait dans la tasse, oui! Si c'est pas des martiens, mais qui c'est qui m'a volé la noix rôde? Hein? Les voleurs de vaches, c'est pas ce qui manque au Texas! Tu me traites de menteur? Lui qui dit que les martiens, ils enlèvent des gens et des animaux pour les étudier! On se demande ce qu'ils vont étudier, les martiens. Ta noix rôde, elle faisait même pas de lait. Tu dis pas de mal de la noix rôde, toi. T'es un crétin, Foldy. Mais t'es pas un menteur. Je les ai vus, moi, les martiens qui ont volé ta noix rôde. C'était des monstres avec plein de tentacules. Curieux, vous ne trouvez pas? Des martiens qui débarquent sur Terre pour voler une vache. Tu m'as traité de crétin, Flatwood? Calmez-moi. Spéciale dernière, Frank Flatwood les a vus. Le cauchemar a peut-être déjà commencé. Toutes ces tentacules, ça va pas être pratique pour leur passer les menottes, hein. Messieurs, j'ai besoin de volontaires pour former une milice afin de défendre Cactus Hall contre l'envahisseur. M'en vais de changer de méthode, moi. Spéciale dernière, est-ce la guerre des mondes? Bonne guerre des mondes, c'est bon pour nos affaires, ça. Bonjour. Bonjour. Luc et Luc. Vous me connaissez? Non. Luc? Oui, c'est ça, Luc. Bon, je vais vous laisser. Je vois que vous avez plein de choses à vous dire. Un savant doit venir enquêter sur les étranges phénomènes qui se déroulent chez vous. Une pointure que j'ai mission de protéger. Sage décision. Nous ne savons pas si ces visiteurs sont amis ou ennemis. Peut-être ont-ils des armes terribles. Le gouverneur craint plus le goudron et les plumes des gens du coin que les armes de vos visiteurs. Cette nuit, en attendant que notre savant arrive, si nous allions à la rencontre de ces terribles monstres à tentacules, qu'en penses-tu, Jolly? Tant qu'ils ne kidnappent que des vaches. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Moi, ça me rappelle un cheval de mes amis qui sentait des sabots. Ça se couvre. Oui, j'ai déjà senti cette odeur. Ah! Mais qu'est-ce que vous faites ici, vous? Je voulais prendre les martiens en photo. Tentacule en l'air! Où je vous plombe, sale martien! Vous avez entendu? Les martiens ont des flingues. S'ils ont un flingue par tentacule, on est mal barré! Ah, fous les jetons! Allez, la milice! Du coup là, j'en ai marre! Vous aurez pas mes vaches! À moi, la milice! Ils nous tirent dessus! Je les ai vus, ils sont passés par mon champ. Ils sont verts avec des tentacules. Foldy, ils vont nous envahir. Il faut partir, quitter la ville. Mes vaches! Mais pourquoi mes vaches? Qu'est-ce qu'elles leur ont fait, mes vaches? C'est en répondant à cette question que nous résoudrons le mystère. L'homme qui tire plus vite que son ombre. Les martiens n'ont qu'à bien se tenir. Là! Oh, là! Frère Blanc.
Je suis Coyote Avisé, fils de Bison Futé, petit-fils de Lézard Appliqué. Je sais le moyen pour vous protéger des êtres venus du ciel. Le père du père de mon grand-père a été en contact avec des êtres venus du ciel. Cette tapisserie brodée par la mère de ma grand-mère, relate la rencontre. Ils sont petits et verts. Les êtres venus du ciel sont toujours petits et verts, mon frère. Oui, mais les nôtres, ils sont gros, avec plein de tentacules. Les créatures aux tentacules sont aux petits hommes verts ce que les chevaux sont aux humains. Des montures. Pour un scoop, c'est un scoop. Je dirais même un scoop volant. Si vous portez sur vous ces amulettes, les êtres venus du ciel ne pourront rien contre vous. 5 $ pièce. Moi aussi, pour les vaches qui me restent. Moi aussi, j'en veux. Je m'appelle Lucky Luke. Seriez-vous... Professeur Margaret Skippy du Massachusetts Institute. On m'a prévenu que vous m'attendiez. N'y faites pas attention, je suis myope comme une taupe et j'ai cassé mes lunettes pendant le trajet. Dire qu'on vous attendait pour y voir plus clair. Il paraît que certains de vos concitoyens ont été en contact avec des intelligences extraterrestres. Enfin, il y a eu en effet quelques événements encore inexpliqués, mais... Vous ne croyez pas... Vous ne croyez pas qu'il puisse exister des intelligences extraterrestres ? Au vu du peu d'intelligence qu'il y a sur Terre, la probabilité est faible. Je suis tombée sur le spirituel du coin. Où pourrais-je rencontrer un témoin oculaire ? Les gens du coin sont terrorisés ? Pas vous, semble-t-il ? Je ne suis pas du coin. Nous, on n'a pas peur de personne, pas même des martiens. Celui-ci représente un engin aperçu dans le Colorado. Non ! C'était tout rond, puis lumineux, puis ça tournait comme ça. L'herbe est écrasée par endroits. Des traces de chariot. Ah, votre scepticisme est d'un ennui. Il faudrait un point de vue plus en hauteur. Vous me faites la grande échelle ? Oh. Incroyable! C'est incroyable! Je vous le dis, moi! Après les vaches, ils vont s'en prendre aux humains! Il faut quitter cette terre maudite! Si le témoignage d'un fermier vous suffit pour conclure qu'il s'agit de petits bonshommes verts... Évidemment, c'est tellement plus pratique de penser à de biens inoffensifs hors la loi. Inoffensifs? Les hors la loi? Non, mais je rêve. Peut-être pas assez. Mais vous, c'est plutôt le genre deux cerveaux et un muscle. Je me trompe? C'est sûr qu'il se donne beaucoup de mal pour pas grand-chose. Il doit y avoir une autre explication. Je ne vous le fais pas dire. Et l'odeur? Vous avez senti cette odeur? Ouais. Ça sent le pétrole. Vous vous rendez compte? Ils ont mis au point des engins qui fonctionnent avec du pétrole. Du pétrole? Mais c'est ça, du pétrole! Eh oui! Ils sont beaucoup plus avancés que nous. Bien sûr, ils peuvent être petits et verts, comme le prétend cet Indien. Mais ils peuvent aussi nous ressembler. Oh, nous ressembler, dites-vous, professeur? Tout à fait, ils peuvent même vivre au milieu de nous sans que nous nous en rendions compte. Allons voir ce sorcier indien. Il a sûrement des éléments de réponse. Coyote avisé? S'il a le temps de nous recevoir entre deux ventes de gris-gris. Maudite myopie!
Ça, c'est de la preuve cousue de fil blanc. Sensationnel. Vous croyez ce machin? Ce tapis sacré. Ce paillasson. Ce tapis sacré nous prouve, s'il en était besoin, la réalité d'une vie extraterrestre. Les anciens ne peuvent mentir. Je connais aussi le langage des Martiens, transmis de père en fils. Il nous ressemble! Votre voisin est peut-être un Martien! Demandez le cri de Cactus Hall! Quoi, ma peau? Qu'est-ce qu'elle a, ma peau? Le premier qui me traite de Martien, je lui fais voir des étoiles. Je dis seulement que t'es pas né ici et que tu pourrais très bien venir d'ailleurs. Mais toi aussi t'es pas né ici, Ted. C'est vrai ça. On vient tous d'ailleurs. Y'a personne qui est né ici. En effet, vous pouvez tous être des Martiens. Et toi, cow-boy, il paraît que tu tires plus vite que ton ombre. C'est pas vraiment humain, ça. Ça expliquerait pourquoi Ted gagne toujours le concours des gobeurs d'œufs. C'est pas humain non plus de gober autant d'œufs durs. Préparons-nous plutôt à les accueillir. J'ai justement là des petits dictionnaires martien-anglais. $15. Coyote avisé a raison. Qu'est-ce qui nous prouve qu'ils sont hostiles? Mes vaches! Vous semblez bien aimer les étrangers. Étrangère. Vous êtes d'où, au juste? C'est vrai qu'elle est bizarre, celle-là, à se cogner partout. Gouja! Les soutasses volantes, ma tech! Vous ne croyez toujours pas à la théorie martienne? Oh. Mais que se passe-t-il? La peur des hommes verts. Vous aussi? Mes clients quittent tous la ville, alors moi aussi? Tout le monde s'en va. Excuse-moi, j'ai une vieille tante malade qui m'attend à Atlanta. Et moi, j'ai trop les jetons. Hey, attendez, me laissez pas tout seul. Coyote avisé nous quitte aussi. Mauvaise stratégie marketing. Il faut que je recentre mes activités pour cibler une clientèle moins large mais plus fiable. Coyote avisé n'a plus rien à faire ici. Oh. Pardon, jeune homme, la ville des Martiens, c'est bien ici? Mon frère ne s'est pas trompé. Gris-gris, plan de la ville, guide des principaux sites à visiter, $5 pièce. Non, je ne crois pas à la théorie martienne, mais je dois bien être le seul. Entrez, entrez, venez voir les Martiens, il y en a là pour tout le monde. On dirait que tout le monde a eu la même idée. Qui n'a pas sans gris-gris, $5. Demandez aussi une fumigation protectrice de $15. Coyote avisé annonce des apparitions pour ce soir. Je brûle de voir ça. Quel temps faisait-il la nuit de la première apparition? Nuageux, avec un léger vent. Nuageux avec du vent. Dites, mes clients sont un peu déçus, vous aviez promis que les Martiens viendraient. Ils viendront. Coyote avisé ne se trompe jamais. Dommage, j'avais préparé un discours de bienvenue. T'as vu ça, Fleetwood? Les Martiens, ça rapporte plus que les vaches. C'est pas vrai! C'est pas vrai! Il est clair que quelqu'un souhaitait faire peur à Fouldi afin qu'il parte et vende son champ. Vous savez qui c'est, ce quelqu'un? Ça se pourrait. Tiens, mon cowboy. Je l'avais oublié, celui-là. Il y a un lien dans cette affaire entre le temps et les apparitions. Je sais pas encore lequel. Parle-en à ton cheval, ça ira mieux. Le Mars
chien était donc un indien ? La branche, elle est pas assez solide pour nous deux. Je crois qu'il est temps de nous expliquer deux, trois choses, l'ami. Et après, si vous pouvez venir m'aider... Le martien était un indien ! Tous les détails dans le cri de Cactus Hall ! Le martien était un indien ! Pas trop déçu ? Je n'y crois pas une seule seconde. Les martiens existent et je le prouverai. Aïe ! Maudite myopie ! J'avoue pour les traces dans le champ. Mais le reste, c'est pas moi ! Je le savais, j'ai jamais cru à cette histoire de martiens. Nous non plus ! Dire qu'il y en a qui ont eu les jetons ! Oh ! Allez, Bénédicte ! Allez, Valérie, à la maison ! Bénédicte ! Coyote avisé est une fiefée canaille, mais ce n'est pas lui l'auteur de cette mascarade. Le petit homme vert n'est donc pas un petit homme rouge. Beaucoup vont être désappointés. Venez vite ! Ils veulent lyncher le martien ! L'indien ! On va t'apprendre à faire le martien ! Ouais ! Si Coyote avisé s'en sort, il jure de s'appeler désormais Coyote mal avisé. N'aie pas honte, à votre âge. Les martiens sont revenus ! Les martiens sont revenus ! Ils ont enlevé ! Une nouvelle vache ? Non ! Ils ont enlevé Miss Skippy ! Hein ? Oh la vache ! Les martiens ! Les martiens ! Comment est-ce arrivé ? Elle était venue jeter un coup d'œil au champ ce soir. Quand les lumières sont réapparues, je l'ai entendu crier, puis plus rien. Elle a disparu. Fleetwood ! Oh. C'est le jour des pendaisons. C'est Fleetwood. Il se sert de lampe attachée à une éolienne. Le vent fait tourner les lampes dont les lumières se reflètent sur les nuages. Je sais. C'est pour le pétrole, hein, Fleetwood ? Ce crétin de Foldy ne s'est même pas aperçu que son champ regorgeait de pétrole. Et ce soir, tu avais décidé de le faire disparaître. Ouais, on aurait accusé les martiens. Si cette greluche ne s'était pas pointée. Je ne vous permets pas. Je connais bien ce genre de fusil, Fleetwood. Ils ont un gros défaut. Ils appartiennent souvent à des crétins. Maudite myopie. On a signalé des phénomènes étranges dans un patelin nommé Roswell. Vous allez passer votre vie à courir après les martiens ? Si je décide de m'intéresser aux terriens, je vous fais signe. Roswell est à l'est et nous, on va vers l'ouest, cowboy. I'm a poor lonesome cowboy.
The Poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this Caballero? The Emperor of the Far West, when he begins his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il a pas peur de personne. C'est ici, monsieur le sous-chef de cabinet. Ici? Mais il n'y a rien. Une base secrète, ça doit être secret, monsieur le sous-chef de cabinet. Nous y sommes. Bienvenue à Dark Mesa, monsieur le sous-chef de cabinet. Si vous voulez vous donner la peine de monter, monsieur le sous-chef de cabinet... Vous pouvez m'appeler chef, entre nous. J'attendais le ministre. Je suis son plus proche conseiller. Il a toute confiance en moi. Dambi, on veut comme prévu. Prêt, Herr Professeur? Ya, ya, vous pouvez lancer la musique. Présenter l'arme en son lieu qui m'a demandé 10 ans de recherche à un simple sous-vivre. Ils me paieront cette humiliation. Bonne nuit, Docteur Bretzel. Monsieur le chef, vous n'allez pas en croire vos yeux. C'est ça, l'arme secrète? L'invention qui doit rendre invincible notre glorieuse armée américaine? Un caleçon à poids. Le ministre sera ravi de la prendre. Désolé de troubler ta sieste, amigo, mais je suis à la recherche du ranch de John Doe. Ça fait 35 ans que je dors dans cette ville et je n'y ai jamais rencontré de John Doe, gringo. Pourtant, je suis bien à Gloomy City, au bord du Rio Grande, près de la frontière mexicaine. Si je disais le contraire, je mentirais, gringo. Hey, old-timer, vous connaissez John Doe? Je dois me rendre à son ranch. Un troupeau de vaches à convoyer. T'es un comique fiston. La dernière fois que j'ai vu un troupeau de quelque chose ici, c'était des touristes de la côte est. Ici, étrangers, on a des Nathanels, Biginski, des Aloyus, Munsteindampfer, mais pas de John Doe. Et les seules vaches qu'on trouve dans le coin, c'est en morceaux bouillis dans les assiettes de la cantina. Merci quand même, shérif. Désolé, old chap. On nous a fait une mauvaise blague. Tu as galopé pour rien. Pas trop déçu? Pas du tout. Avant de mourir, je pourrais dire que j'ai vu Gloomy City. C'est louche.
chercher quelqu'un? Pitié, pas taper! Un peu quand même, pour marquer le coup. La féminité n'est plus ce qu'elle était. J'aimerais savoir pourquoi deux jolies filles comme vous s'intéressent à moi. Où êtes-vous, Coyote? Putois serait plus approprié. Qu'est-ce que c'est que ça? Rendez-vous à minuit au Grand Ponton. Demandez au pêcheur si ça mord, il vous répondra... Les zèbres ne quittent jamais leur pyjama. Et c'est sous l'écorce qu'on voit l'arbre. Qui vole un œuf, vole un bison. Vous êtes bien, Lucky Luke. Il suffisait de demander, c'était moins fatigant. La procédure, c'est la procédure. Mes anges cloutés à pouce à l'acier, le collier est là, vous pouvez monter. On trouve de drôles de poissons dans le Rio Grande. Herr Luc, bonsoir, bienvenue, montez donc. Entrez, entrez, mein Liebchen. Faites comme chez vous. Oh, quel honneur pour moi, accueillir les célèbres Lucky Luke, l'homme qui tire plus vite que son ombre. Boum, boum. Schuldigung, mille excuses, mais nous avons dû inventer cette offre d'emploi des chrondos pour vous attirer ici. Vous avez bien fait, j'adore voyager. Ah, vous êtes à l'intérieur des Frida. Je suis le modeste concepteur de ces sous-marins, véritable symphonie des modernismes et des technicités. Frida a été vouée à devenir les nouveaux QG des services secrets américains. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Trop humide. Mon sous-marin, trop humide. Je vous le demande, Herr Luc. Pourquoi m'avoir fait venir? Je me présente. Otto Bretzel, chef du département gadget des services secrets. Merci pour la soirée, Monsieur Bretzel. J'ai beaucoup ri. Je suppose que la sortie est à la même place que l'entrée. Attendez, Herr Luc, vous n'avez pas tout vu. Messieurs, je crois qu'il est l'heure de votre patrouille. J'ai à parler à Herr Luc. Horace Twinface, un renégat qui a trahi nos services pour se vendre aux plus offrant. Satané bouge du cowboy en formation qui veut se retrouver agent de première classe. C'est fatal. Dès qu'on élargit le recrutement, le niveau baisse. Une grenouille géante! Il y a un type dans la grenouille. Horace Twinface est d'une grabule de la pire espèce. Vous avez de la chance, l'ami. Les services secrets s'occupent de vous. La braguette du scaphandre! J'avais la braguette du scaphandre ouverte! Il ressemble à Horace Twinface, tu trouves pas? Ah oui, c'est dingue la ressemblance. Mes amis, votre perspicacité me sidère. Vous devriez être agent secret. Crotte! Mon pistolet ligoteur est mouillé! Heureusement, il est multifonction. Il y a 15 jours, il a lâchement dérobé mon chef-d'œuvre, les prototypes des larmes la plus extraordinaire de tous les temps. Que voici? Un costume à carreaux. Je vois que vous n'appréciez guère la fantasy. Mais laissez-moi vous faire une kleine démonstration. Vite, prêtez votre colt et truffez-moi cette bestiole de plomb, Herr Luc. Dans Geyser. D'avril, Monsieur Bretzel. Mais la nuit, je préfère dormir plutôt que de tuer d'innocents lézards dans des engins sous-marins. Amusante, hein? J'ai inventé les costumes invincibles. C'est un tissu magnétique dont les champs électriques repoussent les balles. Je sais, c'est simple, mais il fallait y penser.
Twin Fish a l'intention de revendre mon invention à Elmastar. À une crapule qui se prend pour un général et terrorise la région des Piedras Negras. Imaginez ces bandits mexicains avec son armée des mercenaires, devenus invincibles, fonçant sur les États-Unis. C'est évidemment plus effrayant qu'un invincible bandit américain fonçant au Mexique. Herr Luke, votre mission est simple. Rattraper Horace, les capturer et les ramener avec les costumes. C'est le seul moyen d'éviter un conflit avec les Mexiques. Ce soir, menu exceptionnel pour les petits poissons. Purée de savon allemand dans sa croûte de sous-marin avec sa ratatouille de cow-boy et d'agent secret. Ils sont bien gros, vos appâts, l'ami. Ah oh. Accident du travail. Oh. Bon, d'accord. Je vous rapporte votre costume avant qu'un clown ne l'endosse. Ce soir, natation, old chap. Chouette. Prenez garde, Herr Luke. Twin Face a également dérobé d'autres gadgets de mon invention. Des armes terribles. Des plus, il est vicieux comme un vautour et cruel comme un gros dalle. Ou l'inverse. Ah, je ne sais plus. Fléchette à la strychnine, je sens que ça va te plaire, Luc. Merci de m'indiquer le chemin, Coyote. J'aurais dû lire plus attentivement le mode d'emploi. Je t'ai connu plus rapide à l'escalade, Jolly. Manque d'entraînement, cowboy. Mini-obus et dispersion de colle. Parfait. Tu vas te décoller, sale bête. Mon cabriolet avait peur. C'est pas un cow-boy, c'est de la glu à cheval, ce type. Allez, un coup de galop vapeur. On ne peut pas dire qu'on s'ennuie avec lui. Formidable, cette voiture sans cheval. Le problème est assez épineux. Je veux faire une affaire juteuse et Lucky Luke veut tout faire pour m'en empêcher. Il faut donc absolument que j'arrive à me débarrasser de ce Lucky Luke. C'est bon d'être intelligent. Buenos dias, Emiliano. J'ai un petit boulot pour toi. Dire que j'ai dû brouter un cactus au petit déjeuner. La prochaine fois que je voyage, j'emporte mon herbe. Hello, amigo. Buenos días, estoy contento. Avez-vous vu un type au visage de fouine dans une carriole fumante sans cheval? Buenos días, estoy muy contento. Oui, tu es bien content, j'ai compris, muchacho. Buenos días, estoy muy contento. Encore 10 mètres et Luc ne sera plus qu'un souvenir. Buenos días, estoy muy contento. Buenos días, estoy muy contento. Buenos días, estoy muy contento. Ah! Explosion! Explosion! Estoy muy contento. Mais c'est pas vrai, aucun de ces gadgets ne marche! Buenos días, estoy muy contento. Buenos días, estoy muy contento. À l'abri, Jolly! Raté! Pas la peine de se fatiguer, old boy. Autant aller l'attendre tranquillement à Piedras Negras. Gringo, hein? Ta vie est en danger. Pardon? Tu fais de l'ombre au portrait del général. C'est un crime qui mérite la pendaison. Gracias, amigo.
Je tâcherai de faire attention. Parle moins fort, gringo. Le général, il a interdit le tapage diurne. Attention, Yankee. Le sabot de ton cheval envoie de la poussière sous les affiches del général. Tu risques la prison à vie. Merci du conseil. Malheur à toi, gringo. Ne regarde jamais le général dans les yeux, même sur une affiche. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire sans gêner votre général? Malédiction, gringo! Prends garde! Il faut dire El Général! Encore une ville de fous. Qu'est-ce que vous cherchez, gringo? Un Elmastar spécial ou un extra Elmastar? Soyons fous. Je vais tenter le spécial. Bravo! Vous aviez une chance sur deux. Que vois-je? De l'herbe ici? Attention, amigo. Tu brutes une herbe qui appartient à El Général. Et l'extra, il est comment? Et ton cheval dehors, Yankee. Si je disais le contraire, je mentirais, amigo. Alors tu vas monter dessous et nous suivre. Je suppose que je suis invité par El Grandissime Excelencia. Prononce son nom avec moins de sarcasme, gringo. Sa grandissime excellencia, el general n'aime pas les sarcasmes. Ah, el Yankee. Tu m'allez, j'ai à parler à faire. Bienvenue, amigo. Bienvenue chez el general. Baissez vos armes, stupidos. Vous osez menacer mon ami el Yankee. Gardez-vous. Alors, cette arme secrète, où est-elle? En lieu sûr. Tu es un malin, gringo. Tu veux que je paye pour voir, et moi, je préfère voir pour payer. Mais j'aimerais d'abord me reposer. J'ai fait un long voyage pour vous apporter cette arme extraordinaire. Tout ce que tu voudras, Yankee. Qu'y a-t-il pour ton plaisir? Ordonne! Pour commencer, mon cheval aime bien se faire manucurer les sabots et étriller à la brosse de soie. C'est comme si c'était fait. En contrepartie, dis-moi un peu plus sur ce costume qui rend invulnérable dont tu parlais dans ta lettre. Dis-moi, dis-moi! Il rend invulnérable. Excellent! Avec ce costume, je deviendrai le maître du Mexique. Puis, j'envahirai les États-Unis. Et puis, j'effondrerai alors la mastarie qui s'étendra sur toute l'Amérique, l'Europe, l'Afrique et même l'Asie. Je serai le roi du monde! Mon général, me voilà! Désolé pour le retard. C'est comme ça que vous montez la garde, vous autres? Mille pardons, seigneur général. Descends de là, gringo. Je vais décorer mon jardin en t'accrochant par les orteils. El Général, c'est moi, Horace Twinface. Je vous apporte l'arme secrète, comme convenu. Deux Horace Twinface. Ça en fait au minimum un de trop, ça. Allez, les comiques, main en l'air. Lucky Luke. Lucky Luke. Comment as-tu osé abuser El Général? Je suis chargé par le gouvernement des États-Unis de ramener ce traître et ce qu'il a dérobé. Liquidez-moi ces coyotes gluants. J'ai dit main en l'air, tout le monde. Horace, le costume. Surprise! Tu veux l'essayer? Te gêne pas, tire donc. Allez, à mon tour. Vas-y, muchacho, massacre-moi ces gringos visqueux. Allez, grimpe, cowboy. Fichu crâne en fer, il est enrayé. J'espère que ton costume, il marche mieux que ton pistolet, gringo. Ah, ça y est. Tu ne m'échapperas pas cette fois-ci, Lucky Luke. Et votre charrette, vous la vendez? Tout est à vendre, général, ça n'est qu'une question de prix. C'est bon d'être vénal. Le temps se gâte, old boy. Vite, montez. Hé, hey, toi, où est passé El Gringo? Quel gringo, seigneur général? Dégage de là, estúpido! Ce maudit gringo s'est volatilisé. Il va revenir avec toute l'armée américaine. Bah, vous serez désormais invincible, moyennant une somme exorbitante. C'est vrai, ça. Muchas gracias. Et le costume? Les ministres m'ont remercié.
Vous vous rendez compte? Au lieu de me remercier, il m'a remercié. Il me faut ses costumes, Herluc. C'est ma seule chance de cesser d'être remercié et d'être rétabli dans mes fonctions. Je vais y retourner. Laissez-moi le temps d'échafauder un plan. Vas-y, sauce, ma libre volcan. On dirait que votre costume invincible rétrécit au lavage, cher professeur. Encore, amigos, encore! Maintenant, au canot! Tirez-moi dessus au canot! Je suis invincible! Bravo, gringo! Tu as bien mérité ta récompense! Ma plus grande joie, c'est la satisfaction du client. Hélas, je vais devoir vous quitter. Lucky Luke! Wow, je suis ici. Ah, laissez-le-moi. Costume de clown, un gag de clown. Ah, ton crâne me fera un beau presse-livre, gringo. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que... Ah, on m'assassine! Caramba! Enlevez-moi ça! Comme quoi, on peut être invincible sans être imperméable. Oh, Sweet Face! On t'a reconnu! Excellent dire, monsieur Luke. Avec des hommes de votre trempe et mon génie, nous aurions les meilleurs services secrets du monde. Ah, enlevez-moi ça, maldito Yankee. Où j'étais? J'étouffe. D'accord. Ça rétrécit au lavage. Mais il suffit de ne pas les laver et de faire la guerre quand il ne pleut pas. Ah, le président sera content. Horace, Winfield, enfin capturé et les costumes retrouvés. Que diriez-vous d'un emploi fixe, monsieur Luc? Monsieur Luc? I'm a full lonesome cowboy. Of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who is Caballero? The Emperor of the Far West, when he begins his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. C'est un honneur pour un grand et jeune pays comme le nôtre de recevoir la représentante d'une vieille et petite nation comme la vôtre. Ainsi donc, voilà la Maison Blanche. My God, cela ressemble à ces demeures que les domestiques se font bâtir dans le Sussex. En Amérique, il n'y a pas de domestiques. Nous sommes tous égaux. En Angleterre, nous avons des châteaux millénaires. Et nous, en Amérique, nous avons des ranches de plusieurs milliers d'hectares. Et nous, nous avons l'Inde. Et nous, nous avons les Indiens. En Angleterre, nous avons le plus grand détective du monde, Sir Sherlock Holmes. Et nous, on a Lucky Luke. Lucky qui? Lucky Luke. L'homme qui tire plus vite que son ombre.
on a Kikuluk. Il est meilleur que votre Sherlock Holmes. Meilleur que Sherlock Holmes? It's impossible. Prenons les paris. Eh bien, soit, parions. Bien entendu, notre accord doit rester secret. Voilà comment nous allons procéder. Qu'est-ce que tu veux faire avec des machins pareils? Hé, Joe, plutôt que de reprendre une petite cuillère, pourquoi on n'irait pas demander des outils? Je vais demander au gardien s'il peut pas nous dépanner d'une pioche. Désolé, Joe, y a personne. J'ai rien vu. Oh. Joe, t'es tombé sur une clé. Joe, elle est là. Oh, quel métier. Ah, c'est plus facile de les retenir que de les faire partir. Luc, télégramme. Ce pénitencier est une vraie passoire. Va falloir y aller, Jolly. Évidemment, quand les Dalton s'évadent, je peux aller me faire shampooiner ailleurs. Elle est pas pittoresque, notre coutume locale. Positivement, folklorique. Ah hein? Ne bougez pas, je vais vous sortir de là. Désolé, cette branche a été plus rapide que moi. Mon nom est Holmes, Sherlock Holmes. Détective privé au service de la reine. Et moi, je m'appelle... Ne me dites rien. Hé, faut pas se gêner. Si j'en juge la poussière déposée sur la croupe de votre cheval, vous avez parcouru 1234 miles et 345 yards d'une seule traite. Vous êtes loin, très loin de votre foyer. Tout indique aussi que vous êtes un cow-boy solitaire. D'autre part, l'usure de votre étui de revolver démontre une aptitude à dégainer hors du commun. Vous êtes Lucky Luke. C'est ce qu'on appelle avoir le sens de l'observation. Observation, analyse, déduction. Tout mon génie tient en ces trois mots. Soyez assez aimable d'aller me chercher de l'eau pour Bucéphale. Eh bien, soit, j'irai moi-même. Les basses besognes ne m'effraient pas. Personnage original. J'espère qu'il ne va pas trop se pencher. Le poids de sa tête le ferait couler à pic. Que vient faire un détective privé au service de la reine, si loin de son fog anglais? Mettre la main sur quatre dangereux malfaiteurs. Les Dalton, vous connaissez? Ouais, on s'est croisés. Le Far West est un territoire dangereux. Vous n'aurez pas toujours la chance que vous avez eue tout à l'heure. J'avais calculé que le point de rupture de la branche se situait aux alentours de 70 kg 450 grammes. Or, mon poids est de 71 kg. La branche serait de toute manière rompue. Béni soit la cuisine anglaise et son célèbre pudding. Alimentaire, mon cher Holmes.
Comment ça va, Luc? Une limonade bien frappée, comme d'habitude? Ouais. Et pour moi, un thé. Un quoi? C'est une sorte d'herbe parfumée, finement hachée et infusée dans une eau frémissante, mais pas bouillante. Dis-moi, Bill, t'as pas entendu parler d'une attaque de banque, d'un vol ou autre chose? Les Dalton se sont évadés. Wow, wow. Ah! Les Dalton nous ont attaqués! Il y a à peine une heure, sur la route de Painful Gulch. Voyons, Luc, vous avez déjà oublié. Observation, analyse, déduction. Pas le temps. Cocher, puis-je voir votre calèche? Et si c'est de l'intelligence dont vous parlez, elle est là. Avec un peu de chance, on en aura fini ce soir, Jolly. À moi le bain chaud et l'avoine. Un régime s'impose, vieux frère. Ouais, j'ai 64 kilos à perdre. Si tu veux mon avis, ce ne sont ni les vers ni ton poids qui sont la cause de notre chute. Ce qui m'étonne, c'est que les traces ne continuent pas de l'autre côté. Est-ce que les Dalton seraient devenus subitement intelligents? Le violon est ma passion. Ah oui, moi c'est l'harmonica. Ça se voit. Une tasse de thé, Luc? À défaut d'autre chose. Vous avez perdu leur trace? Du lait. Ouais. J'ai calculé qu'ils n'ont pas pu aller au-delà d'un périmètre de 18 yards. Peut-être moins. Demain, on ira en ville faire quelques courses. Hé, Joe! Je vais chercher de l'eau à la rivière avant de manger. Ouais, va chercher de l'eau, abruti. On passera à la banque vers midi. Il y a moins de monde. Vous savez, Luc, je trouverai les Dalton avant vous. C'est scientifique. L'important n'est pas de savoir qui trouvera en premier ces coyotes, Holmes. L'important est de les remettre sous les verrous. Belle soirée, non? Lucky Luke! Lucky Luke est là, juste à côté! Quoi? Lucky Luke! Pas un geste. Tu es Lucky Luke! Tu es Lucky Luke! 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 Vous êtes là? Arrêtez! Au nom de Sa Majesté, je vous demande de vous arrêter. Vite, Joe! Au chevaux! Je vous somme d'arrêter immédiatement, if you please. Oh! Rien de cassé? J'ai été assommé. Et le fair play anglais, qu'en faites-vous? Vous avez raison, vous êtes un original, mais vous n'êtes pas malhonnête. Champion, Edgar? Nous veillons à ce qu'il conserve son avance, Majesté. Veillez, Edgar, veillez! Le visage rubicond de Grant, dégustant sa victoire, nous plongerait dans une humeur massacrante! Holmes, Ansel! Ils ont très peu d'avance. Allons, mon cher Luc. Une simple rogne d'ongle peut nous éviter une longue et fastidieuse chevauchée. Mm-hmm.
positivement captivant. Cet ongle a été rangé il y a 8 minutes. Il appartient à quelqu'un qui n'a pas vu de savon depuis environ 654 jours. La compulsion de la rognure implique une très forte concentration intellectuelle. Le sujet devait être en train de perpétrer un mauvais coup. Une attaque de banque, vraisemblablement. Je peux même vous dire qu'il s'agit de la banque de Ridge Gulch, située à exactement 34 miles d'ici. Avec cette vieille ruse de Sioux, il ne risque pas de nous retrouver. J'y aurais jamais pensé, Joe. À l'envers, moi je me mets à l'envers, Joe. C'est pour un retrait du plomb contre des billets verts. Allez, on se grouille. Belle technique. Ouais, bah, c'est ce qui s'appelle tourner le dos à la tradition. C'est Lucky Luke. Il a mis deux de mes frangins à l'ombre. Les Dalton sont passés par chez vous? Ils ont attaqué la banque il y a moins d'une heure. Alors, mon brave, ne sentez-vous point que votre insistance est déplacée? Monsieur Luke est en conversation avec l'aubergiste. Vous savez quelle direction ils ont pris? Vers l'est en marche arrière. Allons-y, Holmes. Oh. Holmes? Un petit instant, Luke. Ces braves gens m'ont gentiment invité à leur table de poker. C'est un jeu que je ne connais pas, je ne perds jamais une occasion de me cultiver. Si vous voulez vous faire plumer, moi je vous attends dehors. C'est très simple. Il y a 5 cartes par personne. Luke et Luxo, suivons-le. Salut, beauté. On se promène? Alors, Nous avons perdu la trace de Lucky Luke, votre majesté. J'espère que vous avez une bonne excuse. Nous avons dû défendre l'honneur de l'armée britannique, votre majesté. Ce jeu est terriblement facile. Majesté. Holmes, l'honneur de l'Angleterre est entre vos mains et vous, vous jouez aux cartes. Nous exigeons que l'éternel Albion dame le pion à ces fichus mangeurs de pop-corn. Vous entendez, Holmes? Trouvez-nous ces bandits. Majesté, vous allez être satisfaite? Je les ai trouvés. Il se sentira peut-être un peu serré au début, mais qu'il ne s'inquiète pas. Il se fronce sa pointure. Élégant mais discret, je les prends. Bon, je vais chercher Holmes et Ansel. Mais où a-t-il bien pu passer? Son chariot est toujours là? Étrange qu'il disparaisse comme ça sans... Oh. Papa m'avait parlé de cette planque il y a longtemps. Attention, ça mouille! Ça mouille! Oh là, ça mouille! Vous auriez pu prévenir que ça mouillait!
sont partis par là. Selon les préceptes du commandant Holmes, si un criminel part dans une direction, cherchez-le dans la direction opposée. Bon, vous, vous suivez les préceptes du commodore Holmes. Moi, je suis la piste de Dalton. Merci, Avril, mon tout beau. Y a pas de quoi, madame la reine. Qu'est-ce qu'on va faire d'eux? On va demander une rançon. Bon, faut rédiger une lettre. Qui sait écrire? Toi, tu dois savoir écrire. Majesté, il faut plier le genou, Avril, tout en saluant dignement. Plus ample le mouvement de la grâce de la lune. Je me suis mélangé les jambes, Majesté. Joe, comment tu sais que c'est bien une demande de rançon? C'est vrai ça, Joe? Personne ne sait lire. Il a pu écrire n'importe quoi. Il faudrait la faire lire à quelqu'un. Oui, mais à qui? Joe, c'est moi, Lucky Luke. Je sais que vous êtes là. Avril! Ben quoi? J'ai simplement fait une lessive. Rendez-vous sans faire d'histoire. On a des otages. Holmes est la reine de je sais plus quoi. Si tu fais un pas de plus, je les descends. Je te propose un marché, Joe. Moi contre la reine. D'accord. Mais à une condition. L'échange doit avoir lieu sur un pont. Un pont? Mais on est à des kilomètres du premier pont. C'est vrai? Pourquoi un pont? Parce que les échanges d'otages ont toujours lieu sur un pont. Timber! Je suis le roi des ponts. Une fois qu'on a Luc, vous récupérez la reine, d'accord? Vous savez nager, Majesté? L'Angleterre est un pays entouré d'eau, Monsieur Luc. Dis, Joe, t'as pas peur qu'il... plonge? Où ils sont? Mais où ils sont? Faut le sortir de là. Bah vas-y toi. Tu sais bien que je sais pas nager. J'ai une idée. Joe, écoute-moi. Tu vas pousser avec tes jambes tout en tirant avec les bras. Comme ça, regarde. Tu pousses, tu tires et tu ramènes le long du corps. Je suis navré, Votre Majesté, de n'avoir pu être le meilleur. Oh, ce n'est pas grave, Holmes. Nous devons vous avouer quelque chose. Nous ne nous sommes jamais autant amusés depuis... fort longtemps. En route. Il nous reste encore du chemin à faire. Je vous les ramène et pour de bon, j'espère. Alors, les Dalton, cette permission? Cette permission? Ah oui, recevoir l'ordre du président de les laisser s'enfuir, de tout faire même pour qu'ils s'évadent, moi, j'appelle ça une permission. Un certain Lucky Luke demande à être reçu par Monsieur le Président, Monsieur le Président. Faites entrer! Mon cher Luc, grâce à vous, l'Amérique vient une nouvelle fois de frapper un grand coup.
I'm a poor lonesome cowboy. Of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who is Caballero? The Emperor of the Far West, when he begins his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Approchons de Grass Valley, Jolly. Tu pourras te reposer. Il était temps. J'ai les fers chauffés à blanc. Tiens, des moutons. Plutôt rares dans l'Ouest. Heureusement. Qu'y a-t-il de plus bête qu'un troupeau de moutons? À part un rentemplant. Tiens, un élevage de caniches. C'est plutôt rare dans l'Ouest. Bob, je te jure que tu seras vengé, Bob. Des problèmes, l'ami? La bête a dévoré Bob. Elle me dévore un mouton par jour. Bel appétit. De quoi a-t-elle l'air, cette bête? Je n'ai jamais pu la voir. Elle agit la nuit et le matin. Je ne trouve qu'une patte, un sabot, un bout de queue. Bob! Ça alors, des caniches qui broutent de l'herbe. Pas mauvais. Oh mais, vous avez un chien? Voilà ce qu'il me faudrait pour défendre mes moutons. Vendez-le-moi. Rentemplant n'est pas à vendre. Et ce qu'il vous faut, c'est plutôt un shérif. Car il semble que cette bête efface ses traces. Étranger, nous avons des steaks pour te remplir le ventre. Ou du plomb. Charmant. On a l'air plutôt porté sur la vache que sur le mouton ici. En Amérique, sur le barbecue, il y a de la place pour tous. Bernoz, retourne à tes moutons, tu n'as rien à faire ici. C'est qui, lui? Ici, étranger, les amis des moutons sont nos ennemis. Lucky Luke, omnivore de passage, et intrigué par cette mystérieuse bête. On l'avait prévu! Ouais, on lui avait dit que s'il s'installait dans le coin, la bête de l'Alabama boufferait ses moutons les uns après les autres. Et la loi? Qu'en pense-t-elle de cette mystérieuse bête qui dévore les moutons, hein? La loi? Les moutons, c'est pas ses oignons! Eh, mon petit Pete? Oui, monsieur Codmeat. Si la bête s'attaque aux vaches, alors là, j'interviendrai. Je croyais que la loi était la même pour tous. Ici, la loi, c'est le bœuf! Eh bien, on va s'en occuper de cette bête. Hein, Birdnose? C'est qu'elle est rusée, hein? Et cruelle. Et assez intelligente pour effacer ses traces. On dirait que dans le coin, il n'y a que la bête pour apprécier vos moutons, Birdnose. Un jour, bœuf et mouton seront copains comme cochons. Le qui ne coupe pas, ça change rien. Venez! Mon petit Pete, faudra nous tenir ce cow-boy à l'œil. Comptez sur moi, monsieur Colmite. Je ne le perdrai pas des yeux.
pauvreté de langage. Je me demande combien il y a de caniches dans cet élevage. Je vais les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 12. Oh! Tiens, tiens, on dirait que notre bestiole est myope comme une taupe. Je veillais sur votre sécurité. Vous tombez à pic. J'ai trouvé cette paire de lunettes. Oh, des lunettes de Turniprout? Ben, qu'est-ce qu'elles font là? Allons lui demander. Mais, monsieur Luc, vous pensez qu'il est vraiment nécessaire de déranger ce brave monsieur Turniprout? Il est très occupé, vous savez. Je déteste les moutons. Les moutons, ils mangent des salades et moi, je cultive des salades. Mais de là à m'accuser de faire la bête... C'est pas moi, monsieur Turniprout. C'est lui. Arrêtez vos salades, Turniprout. Comment expliquez-vous la présence de vos lunettes sur les terres de Birdnose? J'ai rien fait, hein. Et en plus, j'irai rien. Shérif! Emprisonné, monsieur Turniprout? Mais vous n'y pensez pas. Suspect, garde à vue, faites votre devoir. Oui. Et alors là, le peintre dit au croque-mort, si vous me faites un prix, je vous fais une nature morte. Je m'efforcerai de rendre votre séjour aussi agréable que possible, monsieur Turniprout. Vous enfermez les braves gens, mais la bête court toujours. Venez! Stock. Hermite, vous savez bien que je suis allergique à la laine. Oh! Et raison de plus pour nous débarrasser de ces sales moutons. Pac-Man, fais disparaître le corps. La bête est revenue et a dévoré Brad. Ouais! Cette bête n'existera que quand je l'aurai vue. Oh, l'épicier Footstock l'a vue cette nuit même. Je me promenais dans la lande quand je l'ai vue. Grosse comme une montagne. Une gueule, les yeux qui lancent des éclairs, des dents comme des sabres, des biceps énormes. C'est la bête qui vous a mis dans cet état? Non, non, c'est un mouton. À peine la bête disparue, j'ai été agressé par un mouton. Il m'a poursuivi jusque chez moi. Il sentait que je suis allergique aux moutons. Oh, enfin, ces animaux ne respectent rien. C'est vrai, j'ai entendu Footstock crier, j'ai accouru et j'ai vu un mouton s'enfuir par la fenêtre. Vous le reconnaîtriez? C'est lui! Qu'as-tu à dire pour ta défense? Vous n'allez pas interroger un mouton? Je fais mon devoir. Eh bien, Bruce, défends-toi! Dis quelque chose! Vous vous en tirez à bon compte avec une amende, Burnous. Surveillez vos moutons maintenant. Vous voyez ce qu'il nous reste à faire, Burnnose? Eh oui, nous pourrions dresser votre chien pour protéger mes moutons de la bête. Vous ne voyez pas qu'il se moque de vous? Les éleveurs de bœufs se sont toujours moqués des éleveurs de moutons. Mais je ne désespère pas de leur prouver que le mouton est aussi noble que le bœuf. Est-ce que c'est moi, messieurs? Est-ce que c'est bien ici qu'il y a une bête qui terrorise la région? Ed Wormgen, le célèbre chasseur de fauves. Là où il y a une bête, il y a Wormgen. Le mouton. Une telle bêtise, c'est presque magique. Et non, pas le bâton, le mouton. Il a l'air content.
c'est le mouton qui s'éloigne que tu dois rapporter. Le mouton. Bébé, tu vois, le mouton. Ouh. Ouh. On joue plus? Je peux aller brouter avec les caniches? Et on peut toujours espérer qu'ils donnent l'alarme. On peut toujours. Bird Nose? Auriez-vous un mouton pour faire la chèvre? Technique de chasse au tigre éléphant du Bengale. Also, le mouton Bill attire le fauve qui tombe dans la fosse. Ce serait pas plus simple de se débarrasser de Bird Nose une fois pour toutes? Hey, nous ne sommes pas des bêtes sauvages, Blacksmith. Ah, pourquoi il ne bêle pas? Vous ne voulez pas bêler? Je ne me sens pas très mouton. Bé! Il y en a un isolé là-bas. Et enroué, hein? Oh, pardon. Ah, écoutez, on vient. Bird Nose, que faites-vous ici? Je viens prendre des nouvelles de Zachary. Chut! L'affût doit se faire dans les silences les plus comblés. Eh bien, on voit que c'est pas vos moutons, Wargum. Tout va bien, Zachary? Taissez-vous et planquez-vous! Oh, mais j'aimerais bien vous y voir, hein, si vous étiez à sa place. Silence! Ah, je suis touché. Ah non. Sur quoi ils ont tiré? Je vais voir. Ne bougez pas. Ça y est, il bêle. Une chose vient. Finis, Bird Nose. On m'a appelé? C'est une blague stupide, surtout à votre âge. Gelgien idiote et sans flair. Sans flair? Moi? Vous allez voir. Ah, il a flairé quelque chose. Il va vers le troupeau. Incroyable. Ah, c'est la bête! Laissez-la moi! Mes moutons! Ah, vous allez blesser mes moutons! Mais c'est mon fusil! Hein? Tiens, tiens, voilà une drôle de bête. Vous alliez aux champignons? Ah non, je chassais la bête. Vous m'avez convaincu du danger qu'elle représentait. Seul avec un couteau contre un monstre gros comme une montagne? Quel courage! Parfois, le chien regrette d'avoir du flair. Je vois que vous êtes assez nombreux, vous n'avez pas besoin de moi. Eh bien, je vous laisse à vos moutons. Vous voyez, monsieur Luc, il ne faut pas désespérer du genre humain. Bientôt, les moutons et les vaches se mélangeront. Ça fera des mouches. Des moutons qui se mélangent avec des vaches, ça fait des mouches. Oh, bah, retournons à l'affût, la nuit n'est pas finie. Brigitte nous a quittés.
jours ont compté. Elle n'a pas eu le temps d'effacer des traces. Un truc me chiffonne, Wormgun. Une bête qui mange un mouton par jour. Où sont ses excréments? Elle n'en fait pas. C'est pour ça qu'elle est très méchante. Faites attention, j'ai posé des pièges. Ils ont marqué d'un bâton. J'ai acheté le bâton? Il faudrait un chien pour surveiller votre chien. Ah, regardez! Les traces d'un animal inconnu. Trois orteils, près de 4 mètres, 200 kilos. Et ça marche sur deux pattes. Le trophée du siècle! Vous voyez, monsieur Luc, la bête existe vraiment? Pas très catholique, ces traces. Foi dessus. Nous approche. À toi, mon petit Pete. On va leur filer la pétanche du siècle. Je suis la honte de ma profession. N'approchez pas. La bête est dans le bois. Mais justement, c'est la mort certaine. Vous n'approcherez pas. Le grand jeu maintenant. Vous allez les voir détaler comme des lapins. Venez, vous autres. Indispensable, la fumée. C'est Old Beat. Il a eu l'idée des narines fumantes. Elle tousse. Elle a peut-être avalé un mouton de travers. Oh, un mouton. Ah, moi aussi alors, hein? Non, non. Il tire. On se tire. Il n'y a jamais vu des traces aussi étranges. Un monstre de l'enfer! Les traces se perdent dans les rochers, là-bas. Chiffé! Moi, je vais surveiller mon troupeau. Allons annoncer la bonne nouvelle à vos concitoyens. Quelle bonne nouvelle? Ils avaient raison. Elle existe vraiment. Tu aurais vu sa tête. Vous êtes coupé en vous rasant, Blacksmith? C'est-à-dire que j'ai un très très grand rasoir et... Alors vous l'avez enfin vu, hein? La bête? Oh là, affreux. Les monstres du carnaval m'ont toujours impressionné. Elle a attaqué Blacksmith. Ces moutons sont un danger public. Ils excitent la bête. Tant qu'ils seront là, elle sera là. Et tant qu'elle sera là, on ne sera pas tranquille. Shérif. Oui, monsieur Coldmeat. Il faut signer un décret d'expulsion des moutons. Décret? Vous croyez que c'est bien légal? Ici, la légalité, c'est le bœuf. Bernos, le délai d'expiration du décret est passé. Vos moutons doivent quitter la région. Jamais! Alors, tant pis pour vous. Vous n'êtes pas un nerveux, vous? Non. Bernos! À mon signal! Patron! Patron! La bête a mangé une vache! La bête? Quelle bête? Elle a tout avalé!
même les cornes. Je suis solidaire dans ta douleur, Cold Meat. Je ramènerai sa peau, même si ça doit être un plaisir voyage. D'où elle vient, cette bête? Mais c'est pas possible, la bête, c'est nous. Il peut pas y avoir d'autres bêtes ici que nous. Je ne vous le fais pas dire. Luc! Ne vous inquiétez pas, la vache est vivante. Et toi, tu es mort. Pete, arrête-le! Oui? Ben non, mon petit Pete, il en a marre. Vous êtes ridicule. La loi, c'est pas le bœuf, c'est moi. Et moi, je dis que le mouton a sa place, ici. En plus, c'est très bon, le mouton. Tu en as mangé? Il devait se débarrasser des corps. C'était bête de gaspiller de la si bonne viande. Ça se fait pas. Vous avez mangé les moutons? Mais ça change du bœuf. C'était pour le bien de la ville. Le marché de la vache est saturé. Alors le mouton... Le mouton est en plein boom. Associons-nous, Cold Meat. L'avenir est à la diversification. Entre la vache et le mouton, il y en aura toujours un pour soutenir l'autre. Vous avez raison. Unissons nos viandes. On pourrait faire du poulet aussi. Et du saumon. Hey, des escargots. Avec du chou-fleur. Voilà une histoire qui finit bien. Tant mieux. J'avais du mal à me sentir concerné par cette histoire de mangeur de viande. Si j'aurais un chou, j'aurais cette bête. I'm a bold lonesome cowboy.